Ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est d'échanger donc sur cette révolution digitale. Et j'ai choisi exprès le terme révolution plutôt que virage. Ce qu'on va voir après, quand on va regarder les tendances et les chiffres, c'est vraiment un chamboulement très profond, non pas de la technologie, mais de l'économie, de l'ordre politique, de l'ordre géopolitique. C'est probablement une révolution humaine. Et on va voir après de quoi ou de quels sont les enjeux qui sont derrière ça. La façon avec laquelle je voulais aborder la discussion, bien sûr, il va y avoir des discussions sur les tendances, les chiffres, etc., que les uns et les autres connaissent. Mais ce que je veux laisser derrière moi, surtout comme point, c'est que le sujet important de cette révolution digitale, c'est que c'est un sujet qu'il faut arracher des mains des techniciens et des technologues et le remettre entre les mains des entrepreneurs et des gens de la sphère économique. C'est un sujet économique beaucoup plus qu'un sujet technologique. La technologie est un facilitateur, c'est un moyen, mais la révolution profonde qui est derrière ne peut être réalisée que par les gens de la sphère économique. D'où l'importance, je pense, de ce sujet pour une entité comme le CAR. C'est l'essentiel pour moi de toute la discussion qu'on va avoir. Ce que j'ai prévu de faire pour aborder ça d'une façon structurée, on va commencer un petit peu par essayer d'imaginer où va le monde, dans quel monde on va être. Ça peut paraître un exercice un peu prétentieux, dangereux, chacun le qualifie comme il veut, mais c'est un exercice intéressant de réfléchir, de prendre un angle d'attaque intéressant à prendre quand on réfléchit digital, parce que imaginez le monde il y a 3 ans, et imaginez où on sommes aujourd'hui, et dites-vous, est-ce qu'il y a 3 ans, on imaginait là où on serait aujourd'hui? Certainement pas. Et en fait, un des points importants de la réflexion stratégique dans le monde digital, c'est que ce n'est pas une réflexion en continuité des tendances qu'on voit, mais c'est une succession de disruptions, de changements radicaux auxquels on ne s'attend pas. Donc la première chose à avoir en tête, c'est dans quel monde on va être, et on va se donner un horizon de 3 ans. Donc là, je vais essayer de synthétiser le monde tel qu'on l'imagine dans 3 ans, sur la base de ce qu'on voit dans les feuilles de route produits des grandes sociétés technologiques. On sait ce qui va dans le marché dans 3 ans. Donc on va essayer de tirer les tendances de là. Le deuxième point sur lequel je vais passer un peu de temps, c'est quand on imagine ce monde, qu'est-ce qu'on va y faire, notamment dans le monde d'entreprise. Qu'est-ce que ça implique comme question aujourd'hui pour être prêt pour gagner dans ce monde de dans 3 ans. Et ensuite, on va dézoomer encore plus, c'est-à-dire, voilà, des enjeux pour l'économie, mais en fait, en Algérie, je suis convaincu que notre problème, c'est notre solution. Notre problème, c'est le retard technologique. Mais en fait, on est dans une industrie où ce problème est une solution. C'est tellement plus simple d'embrasser ces nouvelles technologies quand il n'y a pas d'historique, il n'y a pas des systèmes à transformer, il n'y a pas beaucoup d'organisations lourdes à changer, même si ce n'est pas vrai partout. C'est beaucoup plus simple d'aborder, de saisir le potentiel complet de la technologie ou de ce potentiel de tendance technologique que pour des pays développés où là, il y a déjà des investissements qui sont faits sur des technologies un peu, pas plus ou moins récentes, mais qui vont être complètement chamboulées et non pertinentes. Et je prends comme exemple certains pays qui ont fait ce choix. Dans les pays baltes, vous voyez, leur trajectoire économique, c'est phénoménal. Mais parce qu'ils ont embrassé les technologies pour à la fois révolutionner leur système économique, changer le modèle de gouvernance. Prenez n'importe quel des pays baltes. C'est exactement ce dont on parle par ce leapfrog, en fait, ce saut technologique. Ici, on va voir ce que ça veut dire ça pour l'Algérie. Alors, je vais juste enlever ma veste. Je vais essayer d'approcher ça. Plus simple. Non. Alors, sur où va le monde? Je vais pas faire une lecture. Enfin, ça, c'est des choses que vous pouvez trouver partout. Mais ce que je voulais prendre, c'est pointer les quelques éléments clés qui, à mes yeux, vont définir le monde de 2020. C'est des choses qui vont devenir un standard en 2020. Et on peut dire, oui, c'est pas pour nous, l'Algérie est en retard. C'est faux, en fait. Hein. Vous voyez aujourd'hui, c'est faux. Enfin, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Vous voyez aujourd'hui, on va rentrer dans ces tendances pour faire les parallèles, parce qu'on va dire, ça, c'est ce qui se passe soit sur la côte ouest ou en Europe, nous, on est en retard. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, on tend vers une normalisation des technologies, une vitesse d'adoption qu'on n'a jamais connue,
que finalement ces laps de retard pour l'adoption sont de plus en plus courts. Je prends comme exemple, c'est des choses que vous trouvez facilement, la durée pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, pour la télé c'était quelques dizaines d'années, pour Internet c'était 4 ans, pour les nouveaux jeux c'est 3 mois, hein. Pour Angry Birds ça a pris 3 mois pour avoir 100 millions, 50 millions pardon, d'utilisateurs. Donc la vitesse d'adoption est très importante. Du coup, il ne faut pas rester bloqué en disant que ce sont des visions futuristes qui sont loin de nous. Vous allez voir ce que ça pourrait impliquer pour l'Algérie. En fait, il y a les trois tendances qui vont être dans le standard à 2020. Un, il y a l'infrastructure. L'infrastructure, il y a trois composantes derrière. Un, c'est la connectivité partout. À 2020, on déploie la 4G. Certains parlent de la 5G, je ne suis pas sûr qu'on aura la 5G en Algérie. Mais on arrive à des débits, en fait, et une qualité de connexion qui peut même faire la concurrence à la fibre. Il y a des opérateurs qui veulent remplacer le réseau fixe, qui est très coûteux en investissement, par la 5G parce que ça permet des expériences très, très importantes. Cette connectivité partout permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce qu'en fait, il y a deux choses que ça va impacter. Un, la vitesse, et deux, la qualité. Aujourd'hui, déjà, on le voit. Je vais travailler avec Microsoft en Inde sur ce sujet pour que des chirurgiens puissent faire des interventions à distance en pilotant des robots à distance. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le signal est envoyé, le signal arrive, qui fait que si je vois que le patient saigne et je suis à Los Angeles et je l'opère à Hyderabad, en fait, c'est qu'il y a déjà quelques millisecondes et peut-être que le patient est mort, donc je prendrai pas ce risque. Mais avec les nouvelles technologies, ça sera derrière nous, les voitures autonomes. Et ça va être un standard, qu'on le veuille ou pas. Le deuxième point, je vais les composer, le cloud et les API, c'est très, très technique, mais c'est très très simple. En fait, jusqu'à maintenant, pour avoir la capacité de calcul dans une entreprise, il fallait investir sur l'infrastructure, il fallait que j'ai ça chez moi. C'est coûteux, ça coûte cher en fait. C'est des serveurs, c'est des personnes qui les entretiennent. Aujourd'hui, cette capacité de calcul, elle peut être déportée et louée ailleurs. Donc, je me connecte à un serveur qui fait les calculs pour moi, pour ce que je veux. Programme de fidélité client, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est la puissance du cloud que vous avez certainement tous entendu parler. Et comme la qualité des connexions s'améliore, l'adoption du cloud devient juste un standard. Aujourd'hui, les clients avec qui je travaille, je prends les standards, par exemple, européens, les visions qu'ils ont, c'est à 2020, on a entre 50 et 80% de ma capacité de calcul qui n'est pas hébergée chez moi, mais elle est déportée ailleurs. Et je la loue à l'heure. Donc ça permet à n'importe qui d'accéder à des capacités de calcul phénoménales. Donc n'importe qui peut faire des choses qu'avant la NASA ne pouvait pas faire. Il n'y a pas de limite à ça et c'est extrêmement pas cher. C'est vraiment des prix... ça n'a pas de sens d'investir tout seul sur cette infrastructure. Donc en fait, quand on prend cette colonne bleue sur l'infrastructure, en fait on va aller dans ce qu'on appelle la technologie 3.0, au-delà des débats de technique derrière. En fait, ce que ça veut dire, c'est que n'importe quelle personne sur la planète va être connectée. En tout cas, 80% de la population sur la planète, tous les pays pauvres, riches, tous les vont être connectés avec de la bonne qualité, ils peuvent accéder à des capacités de calcul que la NASA n'avait pas il y a 5-10 ans. Donc vous imaginez tout le potentiel qu'on donne à chaque être humain pour entreprendre, pour faire, c'est juste une vague, un tsunami qui nous envahit. La deuxième colonne, c'est sur les devices ou les terminaux, donc il y a les réseaux, au-dessus il y a les terminaux que nous utilisons. Il y a trois points que j'ai retenus en fait pour le standard de 2020. Le premier, c'est ça versus ça. Jusque-là, en fait, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, vous demandez aux entreprises sur quoi elles investissent. Je parie que plus de 50% de l'investissement, c'est sur ça en fait. C'est d'acheter des PC, d'équiper des PC, les technologies qui fonctionnent sur les PC. Mais en fait, on est dans un monde où déjà aujourd'hui, 80% du trafic Internet, qui représente beaucoup l'activité sur digital, se passe sur le mobile, qui coûte moins cher, mais qui sont sur la base de d'autres technologies. Et aujourd'hui, le débat qu'on a avec beaucoup d'entreprises, c'est finalement, est-ce que je continue à investir sur ce que les gens utilisent beaucoup aujourd'hui? 80% de ce qu'on fait au bureau se passe sur le desktop, sur un PC, mais très très vite, c'est en train de changer à une vitesse drastique. Par exemple, je projette depuis une tablette, je ne projette pas depuis un PC, j'ai plus de PC, je l'utilise très rarement. C'est de moins en moins vrai. Dans mon entreprise, en investissant sur mon PC, en achetant des licences, des produits, c'est presque l'argent gaspillé. Et du coup, si je veux me préparer à 2020,
est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent sur une chose qui va devenir obsolète? Et pour revenir à l'exemple au cas de l'Algérie, aujourd'hui on est peu équipé. Est-ce que je veux équiper tous mes employés de PC ou de tablette? Le PC, je vais l'équiper, mais dans quelques années, ce sera un peu plus utile. Et surtout que les tablettes, on voit à des prix défiant toute concurrence. J'ai des clients en Inde qui fabriquent des tablettes à cash à $50. C'est le dixième du prix d'un PC, qui sont assez suffisantes pour faire ce qu'on a à faire avec. Le deuxième point, c'est la multiplication des devices. Donc, bien sûr, il y aura mobile, mais on projette en fait qu'il y aura 50 milliards de devices, donc des montres connectées, des capteurs dans les usines, dans les voitures, enfin, on va revenir sur ça. 50 milliards, ça veut dire presque 8 devices pour un être humain. Alors, 8 fois d'objets connectés que d'êtres humains sur la planète. Vous imaginez toutes les données que ça va apporter, que ça va mesurer. On rentre dans un monde en fait, qui peut être complètement digitalisé. En fait. On peut fabriquer un parallèle du monde vivant avec toutes ces données que nous captons. Et le dernier point, c'est la performance des devices. Juste une image que je trouve assez frappante et parlante, c'est à droite, là, on voit la loi de Moore, mais je ne vais pas revenir sur ça, en fait, hein, c'est la performance qui s'améliore avec le temps, mais c'est plutôt sur la partie de droite. Vous savez que l'iPhone, quand il a été lancé, il y avait plus de capacité de calcul que ce que la NASA avait quand ils envoyaient un homme sur la Lune. Donc vous imaginez ce qui s'est passé depuis 2007. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on a dans ce device-là, j'ai probablement l'équivalent de 5 ou 10 NASA de 69. Et ça va encore en s'améliorant. Ça ne sera pas pour 2020, mais on parle aussi de nouvelles révolutions pour changer toute cette force, cette puissance de calcul. Ils sont les ordinateurs quantiques, vous en avez certainement entendu parler. Là, on commence à toucher la limite de ce qu'on sait faire avec les méthodes classiques, qui est déjà beaucoup, c'est énorme. Enfin, je vous dis, en 2007, quand l'iPhone est sorti, il avait plus de puissance de calcul que la NASA pour envoyer un homme sur la Lune. Et en fait, l'ordinateur quantique va démultiplier par 10-100 ses capacités de calcul. Mais ça, c'est pas pour 2020, ça va venir après, mais c'est aussi les horizons dont on parle aujourd'hui. Le troisième volet, donc on a vu ce qui se passe sur l'infrastructure. Tout le monde aura accès à une capacité phénoménale de calcul, un accès de meilleure qualité. On va avoir des outils entre nos mains hyper puissants. Et ça ne sera pas qu'un seul outil, on aura plein. Et troisième chose, en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Plein de choses, on peut en débattre longuement. Mais les quelques tendances que j'ai essayé de prendre, parce que c'est là où on voit les investissements de nos clients, sur lesquels on voit les investissements de nos clients converger, et qui vont être assez structurants quand on réfléchit à quoi devrait ressembler mon entreprise demain, sont celles que j'ai prises sur la liste. La première chose, c'est la robotique. La robotique, c'est pas récent, ça date des années 80, Asimov a écrit dessus il y a longtemps. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça devient dans le schéma de réflexion industrielle de toutes les entreprises. Dans chaque entreprise, dans son schéma industriel, il y a l'intégration des robots et qu'est-ce que ça peut faire sur la chaîne de valeur. Alors, je prends quelques exemples. Aujourd'hui, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'Allemagne et les États-Unis. En Allemagne, c'est un pays où le coût de la main-d'œuvre n'est pas cher, bien sûr. Et pourtant, c'est un pays qui a une balance commerciale positive vis-à-vis de la Chine, parce qu'ils exportent beaucoup. Bien sûr, ils ont une longue tradition d'outils machines, de qualité, c'est ça, enfin, la qualité allemande. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir une balance commerciale positive, parce qu'en fait, ils ont une productivité phénoménale. Vous rentrez dans n'importe quelle usine en Allemagne, automobile ou outils machines, vous voyez le niveau d'automatisation et le niveau de robotisation, en fait, qui est en train de chambouler, ce que je disais au début, l'ordre géopolitique. En fait, ce n'est plus sûr que la Chine continue à être l'usine du monde. Elle le sera peut-être pour les chemises, les textiles, etc., mais même ça. Mais c'est les industries se rapatrient de plus en plus au plus près des lieux de consommation. Les États-Unis en sont un autre exemple. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que... On dit souvent que les robots vont menacer... Aujourd'hui, ça fait poser des débats philosophiques, parce que les robots vont menacer les hommes dans leur travail, du coup, ça va créer du chômage, etc. Il y a une analyse assez intéressante, je n'ai pas le temps de balayer toutes les analyses, mais vous regardez les taux de chômage, par exemple, en comparaison avec le taux d'adoption des robots, il y a quand même deux pays qui ont des taux de chômage parmi les plus faibles et des taux de robotisation parmi les plus élevés. Prenez la Corée du Sud, un des pays les plus robotisés,
un des pays avec le taux de chômage le plus faible. Les États-Unis tendent aussi vers cette situation. En fait, les robots créent en réalité un autre type de travail ou de tâches à accomplir. Et ça suppose, en fait, on va en parler après, que si on dit ça, c'est le standard à 2020, c'est comment j'adapte ma force de travail pour ce monde robotisé. C'est ça le sujet, en fait. Ce n'est pas que le robot va remplacer les hommes, il y aura toujours quelqu'un pour coder, pour maintenir, pour tout ce qu'on imagine. Deuxième sujet, c'est ça, je ne vais pas revenir dessus, vous allumez n'importe quelle radio, vous voyez Internet, vous avez ça partout, c'est les Big Data et Analytics. Aujourd'hui, en fait, on a une masse de données phénoménale, en fait. Sur les 10 dernières années, on a créé plus de données que toute l'histoire de l'humanité. On a fait même en enlevant les duplications de fichiers, etc. Et le développement de ces capteurs dont je parlais tout à l'heure, vous imaginez, ça va en créer encore plus. La force maintenant, ou la question clé maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on les exploite? Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote sur ça pour voir le potentiel, le risque, le danger, l'opportunité. Honnêtement, je suis incapable de qualifier de ces données. Tout le monde imagine que si on a des données, on peut prévoir des choses. D'accord? Si je connais suffisamment de choses sur une ou une personne, je peux imaginer des choses que cette personne me cache. On peut très bien imaginer ça. Exemple, dans le système bancaire, si j'ai les transactions d'une personne, je peux savoir que cette personne voyage beaucoup, que cette personne aime manger dans un restaurant chinois, ou que sais-je encore, parce que je vois les transactions. Et en fait, Visa, que vous connaissez certainement, donc c'est l'organisme de paiement, non seulement ils ont fait ça, mais en fait ils avaient un programme qui permettait de deviner des choses que même le client ne sait pas. En fait, ils avaient fait un test où, en comparant les logs de paiement des époux, on pourrait prévoir à mieux qu'une chance sur deux la probabilité de divorce. Mieux que la chance. Avant que le couple ne le sache, ce qui devient dangereux. Donc en fait, on peut prévoir des choses que le couple ne sait pas parce qu'on voit que des divergences de lieux où ils sont, ce qu'ils consomment. Et ils ont fait le test et c'était mieux que 1 sur 2. C'est-à-dire mieux que de jeter le dé et dire par chance, vous avez une chance sur 2 de divorcer. Et ça marchait. Ils ont arrêté ce programme parce que ça commençait à devenir dangereux. Donc, en fait, sur les données, bon, on voit bien l'enjeu derrière. C'est que ça nous projette dans une nouvelle économie. Dans le pétrole, la valeur de l'énergie, c'est les données, en fait. On va revenir sur ça. Aujourd'hui, en Algérie, je pense qu'on a besoin de faire un travail phénoménal sur comment on maîtrise. Ça devient un actif national, les données, en fait. Un actif national à utiliser, à protéger, à valoriser, parce que c'est ce qui fait la valeur. La valeur n'est plus... Vous voyez, quand j'utilise mon téléphone, je dépense de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas les standards dans les pays émergents, mais dans les pays occidentaux, en fait, tout ce qui est hardware, tout ce qu'on touche, le solide, dans une chaîne de valeur, c'est à peine 15-20% de l'argent qui circule. Les 80%, c'est les services, c'est qu'est-ce qu'on fait des données. C'est ça, c'est là où est le nerf de la guerre. Donc, se focaliser sur juste la production, c'est très bien, mais on joue sur 20% de la valeur. Les Chinois disent qu'on le sache, montre la lune, l'idiot regarde le doigt. L'idiot d'aujourd'hui, c'est celui qui regarde le hardware et le sphère. Sphère, c'est plus sphère. Sphère, c'est les données. Et c'est de plus en plus vrai. On va voir quelques exemples après. Le troisième sujet, l'intelligence artificielle, phénoménal aussi. C'est phénoménal ce qui se passe sur ce thème-là. Et ça va arriver très vite, même dans les pays émergents. L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'utiliser ces données et d'en faire quelque chose d'utile. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu toutes les révolutions qui arrivent maintenant dans le business de la maison connectée. Donc il y a des assistants personnels dans les maisons, qui s'appellent Alexa, Google Home. C'est pas encore en Algérie, mais on n'en est pas loin. Ça arrive déjà dans le Golfe, à Dubaï. Ça a été lancé il y a un an, il y a déjà 20 millions de ces assistants personnels qui sont dans les maisons. 20 millions de foyers dans le monde qui sont équipés par ces assistants. C'est des outils avec qui on a une interface normale, vocale, et on commande, on leur demande de faire des choses, on leur demande d'acheter des choses, et ils anticipent nos comportements. Et en fait, on va vivre dans un monde où cette intelligence artificielle va être juste naturelle, en fait, et juste intégrée dans notre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez activé, mais vous avez Siri sur le téléphone, ou Google Now sur ceux qui ont un Android. On n'aime pas trop les utiliser parce qu'ils nous espionnent trop, ils découvrent des choses qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Il y a plein d'histoires comme ça, on en parlera lors des pauses. Mais ça, en fait, c'est un monde avec lequel il va falloir composer. Et l'enjeu que ça pose, c'est où est la valeur, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, et comment on en sort. Le sujet n'est plus dans le tangible, le sujet est dans cette intelligence artificielle, dans ces données, et qu'est-ce qu'on en fait.
La réalité virtuelle, ben, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, on va en parler un petit peu après avec un exemple, c'est la capacité d'augmenter ce que je vois autour de moi. Aujourd'hui, on a fait une mission pour... mes équipes avaient travaillé pour un pétrolier, un groupe pétrolier, moi, c'est pas sur la traque, c'est un autre, mais pourquoi pas sur la traque. Vous savez, le problème des groupes pétroliers, c'est la maintenance et l'engineering, ça coûte très cher, en fait, extrêmement cher, surtout sur les bases offshore. Pour hélicoptères, sécurité, etc. etc. En fait, on a travaillé avec eux pour développer une application où il y avait des lunettes connectées, en fait, qui permettent, sur une plateforme pétrolière, il y a toujours quelqu'un qui porte des lunettes, quelqu'un qui reste à terre, qui est la personne compétente, l'ingénieur compétent, et qui voit exactement ce que le technicien voit, en fait. Et du coup, il n'y a plus besoin d'envoyer ce technicien partout. Et en fait, il est dans sa chambre, en fait, il est dans son bureau à Houston, mais il voit la plateforme pétrolière du golfe du Mexique. C'est de ça qu'il s'agit de réalité virtuelle. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui existent et qui se déploient. En Angola, donc même pour les pays qu'on n'aurait pas imaginé développer pour cela. Le blockchain, je pense que ça aussi c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais qui va devenir aussi phénoménal, et ça rejoint un peu ces sujets de confidentialité. Aujourd'hui, en fait, bien sûr, on utilise les données, donc il faut les protéger, donc il faut des clés d'encryption. Mais il y a toujours quelqu'un qui détient ces clés. Le blockchain, c'est ces nouvelles technologies qui permettent en fait de répartir la clé de codage sur plusieurs PC, des millions de PC, à un point où personne ne peut contrôler en fait, ou avoir la maîtrise totale de cette clé d'encryption. Si je le dis autrement, d'une façon plus simple, en fait, les blockchains, c'est des technologies qui permettent de créer des codes qui protègent les données, que personne seul ne peut maîtriser, mais tous ensemble, on peut maîtriser. Et c'est la force, en fait, de ce domaine. C'est comme Internet. Internet, qu'est-ce qui peut abattre Internet? Personne. Un câble peut se couper et déconnecter d'Algérie, comme ça s'est passé, mais Internet n'est pas d'arme. On peut casser des serveurs, lancer une bombe nucléaire sur les États-Unis, détruire tous les serveurs, les fermes de serveurs de Google dans le Texas, mais Internet n'est pas d'arme, parce que c'est un réseau, chacun en détient un bout. En fait, c'est la même vision qui s'applique sur l'encryption. C'est-à-dire que plutôt que quelqu'un qui sait quelle est la clé pour décoder, en fait, c'est des clés réparties par tous, il faut la contribution, tout ça, et automatiser les clés, la contribution de tous pour pouvoir décoder. Ça semble très technique, on va dire, mais pourquoi on parle de ça? C'est quoi l'enjeu de ce truc? C'est tellement technique et loin de l'utilisateur. En fait, ça pose une question fondamentale, une question philosophique profonde, qui est le pouvoir de l'État. Parce que jusque-là, protéger, c'est une fonction régalienne. Mais si la protection n'est pas entre les mains d'un État, qui a le droit de toucher ça? Si on ne sait même pas qui est cette personne, comment on va gérer ça? Quel est notre nouveau modèle de gouvernance? Vous imaginez derrière, là on parle d'encrypter les paiements. Aujourd'hui, moi j'ai confiance à ma carte bancaire parce que je sais que c'est Visa qui l'encrypte. Je sais que Visa c'est une entreprise correcte parce qu'elle a un siège social quelque part et donc elle obéit à certaines lois. Donc j'ai confiance en ça. Mais si ça passe par le blockchain est beaucoup plus puissant et beaucoup plus solide comme protection. Et le blockchain, ben, je ne sais pas à qui ça va. Je ne sais même pas qui est le bout d'ordinateur quelque part dans le monde qui encrypte ma clé. Comment on régule? Comment on réglemente? Je parle de paiement, on peut parler du vote électronique. Du coup, comment je peux avoir confiance dans les élections? C'est l'idée même de la démocratie qui est remise en cause. Donc ça, vous voyez en fait que c'est en train de défier notre conception même du monde. Et c'est des choses dont on parle à 3 ans. Le blockchain, ça se passe là, maintenant, tout de suite. Et c'est pas juste un sujet aux États-Unis. J'ai des clients en Afrique, au Maroc, à Dubaï, aux États-Unis, en Asie, enfin partout. C'est des choses qui se passent là, maintenant, tout de suite. Et très peu de gens réalisent, en fait, les questions fondamentales que cela pose. Et vous voyez, comme je disais tout à l'heure, le seul point que je voulais laisser derrière tout ça, c'est ce sujet numérique, il faut l'arracher, mais vraiment l'arracher des mains des techniciens ou des gens de la technologie et le jeter en fait aux gens de l'économie, de la philosophie comme on le voit, et les entrepreneurs. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous voyez, un sujet aussi ennuyeux, technique que le blockchain, ça fait poser des questions philosophiques sur l'idée même de la démocratie. Et l'impression 3D, bon ça on va pas passer trop de temps là-dessus, vous voyez très bien ce que c'est... Je veux imprimer une pièce détachée. Alors, c'est les tests que nous sommes en train de faire avec un constructeur automobile. Vous voyez l'industrie automobile, prenons deux secondes sur ça, sujet très intéressant et d'actualité en Algérie. On essaie de construire une industrie automobile.
l'industrie automobile est structurée d'une certaine façon. Il y a ce qu'on appelle les OEM, les fabricants Renault, Volkswagen, etc. Après, il y a les fournisseurs de rang 1, de rang 2, rang 3, les fournisseurs de rang 1, Valeo, etc., qui fournissent les pompes à eau, Dieu sait ce qu'ils fabriquent aussi. Les fournisseurs de rang 2, c'est les fournisseurs qui fournissent à Valeo les composants pour faire leurs pompes à eau, et ainsi de suite. Donc c'est un schéma, vous voyez, hiérarchique comme ça. Et construire une chaîne automobile dans un pays, ben, c'est d'instaurer une partie de cette organisation industrielle qui a primé depuis plus d'un siècle. Avec les impressions 3D, ce qu'on est en train de voir avec un des OEM dont je tirais le nom, c'est finalement, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous les fournisseurs de rang 1 ou rang 2 autour de moi? Parce qu'avant, c'était une organisation logistique. Je passe la commande, quand vous commandez votre voiture, j'avais tellement flux tendu, vous commandez votre voiture, ça génère les commandes des pièces détachées, qui génèrent les commandes pour des pièces pour fabriquer des pièces détachées partout dans le monde. Il vaut mieux que ce soit les uns à côté des autres pour que ça réagisse vite, etc., etc. Et c'est le débat de fond, d'ailleurs, en termes de politique économique, comment je construis les conditions pour faire cette chaîne de valeur. Si j'ai l'impression 3D, c'est la capacité de pouvoir imprimer des pièces à la commande. Donc, il y a de la matière première qui peut être du métal ou quelques composants polymères ou ce que vous voulez. Une vis en plastique, j'ai plus besoin de la transporter. C'est des bonbons de polymère et d'imprimante qui fabriquent la vis en temps record. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tous ces fournisseurs de rang 1 ou rang 2 autour de moi? Je m'en contrefiche, je peux juste avoir l'impression 3D et je n'ai pas plusieurs stocks de différentes références de vis. J'ai une seule référence qui est les bonbons de polymère que je vais utiliser pour imprimer. Vous imaginez comment ça va secouer toute l'industrie, en fait. D'ailleurs, même le fournisseur de rang 2 va se poser des questions. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une usine? J'ai besoin peut-être d'avoir des ingénieurs qui calculent quelle est la bonne vis, etc. Mais l'usine, on s'en fiche. C'est une imprimante 3D, bien sûr, à l'échelle industrielle, devant l'usine de Valeo. C'est comme ça que ça va se passer, très probablement. Ça, cette vision dont je parle, c'est pas 2020, mais on va y arriver très vite. D'ailleurs, même dans la médecine, on voit des progrès phénoménaux sur l'impression 3D. Il y a des gens qui essayent de tester l'impression de foie, de bout de foie, enfin pour les greffes. Donc je commande mon foie et ça l'imprime à l'hôpital et je le fais. Et ça, vous voyez en fait les questions industrielles que ça pose. On peut parler longuement de toutes ces tendances, mais ça, c'est des choses que j'ai prises en pensant, c'est pas la science-fiction, c'est des choses que je vois chez mes clients industriels aujourd'hui pour que ça soit le standard ou le début de l'adoption du standard à 2020. On voit qu'on va dans un monde avec ce qu'on appelle l'IT 3.0, c'est-à-dire chaque être humain a une capacité de calcul que la NASA n'avait pas avant, entre ses mains, avec des devices simples, intuitifs à utiliser, et dans un monde qui chamboule non seulement la technologie, mais les schémas industriels, les schémas philosophiques, les schémas politiques et les schémas économiques que nous avons connus jusqu'à maintenant et sur lesquels on n'a pas encore fait notre travail. Moi, quand j'entends parler, par exemple, de politique industrielle, ou autre, c'est très intéressant, bien sûr, regardez ça. Mais est-ce que je construis pour aujourd'hui ou je construis pour demain? Allez parler tout à l'heure de Airbnb. Là, je vais changer de page, je vais parler d'un de mes clients qui est plutôt un gouvernement au Moyen-Orient. Et on les aidait à définir leur plan, leur schéma directeur touristique. La démarche simple de construire un schéma touristique, c'est je choisis les bons endroits où il y a du potentiel. Je fais des projets à quelques centaines de millions de dollars, voire 1 ou 2 milliards, des grands complexes, etc. Et on envoie le soleil, on envoie la musique, et les touristes viennent, et on encaisse, et ça marche. Et ça crée de l'emploi, et c'est super. Et c'est des plans, comme je disais, c'est ticket d'entrée, quelques centaines de millions de dollars, 5 ans, 10 ans de développement. Option numéro 1. Option numéro 2, aujourd'hui, vous le savez certainement, le plus grand parc hôtelier à Paris, c'est Airbnb, c'est pas Accor. Airbnb a plus d'offres de lits à Paris que n'importe quelle autre chaîne hôtelière. Donc option numéro 2, c'est de dire, si les gens, en plus les clients cherchent de plus en plus l'authenticité, si c'est ce que les clients cherchent, pourquoi ne pas donner le pouvoir à des habitants d'ouvrir leurs portes, ce qui offre d'ailleurs un tourisme un peu différent, et les plateformes sont disponibles. Et ça se fait en quelques mois, en fait, hein, c'est rien. Il faut communiquer, il faut former, et en quelques mois, on y est avec quelques millions de dollars. C'est les deux scénarios, en fait, qu'on proposait. Donc, bien sûr, la réalité n'est jamais aussi noire et blanc. Il faut un peu les deux, parce que si les touristes viennent juste dormir chez l'habitant et qu'il n'y a rien à faire, il ne faut pas rester longtemps, ils ne vont pas revenir, surtout. Mais on voit bien, en fait, que ces schémas de réflexion, en fait, imposent de bien dire dans quel monde on va être,
qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde-là, et est-ce que les schémas classiques que nous avons connus sont pertinents? Je parlais d'automobile, c'était la même chose. Est-ce que ça vaut le coup de réfléchir avec les schémas classiques de OEM, intégrateur, etc., etc., ou est-ce que je réfléchis 3D, je réfléchis cloud, je réfléchis avec ces outils-là pour fabriquer les choses différemment? Et le terme qu'on entend tous partout, l'ubérisation, en fait, il s'agit de ça. Et ça, ça joue à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut arracher ce sujet de la technologie, enfin des mains des gens de la technologie, et le donner aux gens qui décident, qui du monde économique et du monde politique. C'est vraiment ça, en fait, le sujet dont on parle. On a regardé. Il y avait un autre point aussi dont je voulais parler pour dessiner le monde dans lequel on va être dans 3 ans. Les exemples sont peut-être pas très pertinents pour l'Algérie, mais vous allez voir qu'on va s'y reconnaître très facilement. On a parlé de technologie, dans quel monde on va être. Mais ce qui ressort encore plus frappant, c'est que les êtres humains vont être différents. Donc on a mené des études pour voir qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qui les intéresse, comment les gens vont réagir dans 3 ans. Il y a quelques années, on imaginait, c'était impensable que quelqu'un partage des photos de sa famille sur un truc qui s'appelle Facebook que tout le monde peut regarder. Aujourd'hui, ça pose de moins en moins de problèmes aux gens. Donc, il y a aussi des comportements de la part des clients. On va voir ce que ça veut dire pour le monde économique. Je suis désolé, c'est en anglais, j'ai pris juste des pages de l'étude. La première chose, on a appelé ça la réalité personnalisée. Aujourd'hui, les produits qui sont standards pour tous, c'est juste fini. Je vous mets au défi de me trouver 2 téléphones qui ont exactement les mêmes applications dessus. Ça n'existe pas. Même s'il y a 4 milliards de téléphones sur la planète, la probabilité de la calculer, c'est 1 millionième de milliardaire pour que ça soit le cas. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est le même produit. Chacun veut adapter les choses à lui-même. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une prime, en fait. Si je suis entrepreneur, je fabrique des produits, les clients payent plus cher les produits personnalisés. Il y a de la valeur dans ça, en fait. Si on rentre dans un monde où chaque client cherche quelque chose pour lui, c'est pour ça qu'on voit, par exemple, des entreprises comme Nike se développer dans la personnalisation. Vous pouvez imprimer vos noms sur vos chaussures. C'est ce qui fait une bonne partie de la marge de Nike, d'ailleurs. Les hôtels qui mettent toujours « Bonjour, monsieur X ». Cette tendance de personnalisation est une lame de fond pour tous les business. Donc, permettez-moi, excusez mon langage direct, mais fabriquer de la camelote et la jeter à tout le monde, ça ne marchera plus. Même la Chine l'a compris, elle ne le fait plus. Moi, dans un monde, le client cherche le respect. Deuxième chose, ça c'est une de mes préférées, c'est le « on demand ». Avant, on aimait détenir. J'ai pris l'exemple de BlaBlaCar parce que pareil, c'est un sujet qui, je pense, est d'actualité pour nous. Le parc automobile en Algérie explose. Chacun a 1, 2, 3 voitures. Des gens qui me disent j'ai 4 voitures chez moi, enfin, il a plus de voitures que de chambres. Je comprends plus rien, en fait. C'est contre tout le bon sens. Mais enfin, je comprends quand même. Là où on voit que la tendance actuelle, ce n'est plus à détenir, mais en fait à accéder à un service. Aujourd'hui, parmi les réflexions que nous menons avec nos clients constructeurs automobiles, Renault, Volkswagen ou autres, c'est de dire les clients n'achètent plus de voitures. Ils n'en veulent plus. Une voiture, c'est à chaque fois que des emmerdes, en fait. Le carburant, le parking, le mécanicien, le machin, etc. Bien sûr. Les gens veulent acheter de l'heure de transport. Au-delà de ça, les clients veulent une solution de mobilité. Cette solution de mobilité, c'est une composition de taxi, de voiture, de vélo, de covoiturage, de tout ce que vous voulez, de transport public. C'est ça le sujet, en fait. Et c'est à ça que des gens comme les constructeurs automobiles réfléchissent. Parce que les clients ne veulent plus, ça ne s'intéresse plus personne d'aider les voitures. Ce qui m'intéresse, c'est le service de transport et le raccourci classique, de dire la solution de transport, c'est ma voiture. On voit plein de solutions qui se développent. Et d'ailleurs, vous voyez dans les investissements de Google, c'est les divisions mobilité ou pour Apple, vous voyez tous leurs investissements sur la voiture autonome. Vous pensez qu'ils veulent vendre des voitures autonomes à 6 milliards d'êtres humains? Ça n'intéresse personne. La voiture autonome, c'est pour pouvoir amener quelqu'un d'un point A à un point B, et puis après, elle fera autre chose. Une statistique qui m'avait frappé, une voiture détenue, bon, c'est une statistique européenne, c'est peut-être différent ici avec le niveau des bouchons, une voiture roule 13% de son temps. 87% du temps, elle est au parking. Absurde, idiot, stupide, criminel. Parce qu'on mobilise des ressources naturelles, du métal, des matériaux forts, tout ce que vous voulez, nobles, pardon, tout ce que vous voulez, pour qu'il reste 87% dans le garage.
ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc ce qui est plus sensé, c'est de partager cette voiture. Et c'est ce qui se développe, en fait. J'ai pris l'exemple de la voiture, mais ça peut s'appliquer sur tout. Airbnb n'est que ça. Un hôtel, pareil, il est occupé à 70%. Donc pourquoi, si j'ai une maison qui n'est pas utilisée, je la loue? Et ça, c'est une tendance de fond dans le comportement des êtres humains qu'on voit se développer sur tout, absolument tout. Troisième sujet, l'intelligence, la coexistence de l'intelligence. Je parlais tout à l'heure en fait des objets comme Alexa, des assistants intelligents comme Siri. Ça, les clients, en fait, c'est assez frappant. On pensait qu'il y aurait un rejet, mais en fait, les clients de toute génération s'adaptent très facilement en fait à ces outils, les intègrent dans leur vie. Mais on a déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir dessus. L'expérience immersive, le cerveau humain est phénoménal et intéressant. En fait, le cerveau humain qui a été habitué à un monde dur que je vois, enfin les distances, on sait qu'on se voit à distance très facilement. En fait, les gens qui utilisent, je vous parlais tout à l'heure d'exemple de ce groupe pétrolier où on avait des lunettes pour les ingénieurs qui voient ce qui se passe sur la plateforme pétrolière. On regarde ce qui se passe sur leur cerveau après. Le cerveau s'adapte à une vitesse phénoménale pour concevoir qu'il n'est pas à cet endroit. Il intègre les temps de lag ou de latence parce que quand il... Ce que je vois maintenant à Houston, c'est passé il y a quelques millisecondes dans le golfe du Mexique, et le cerveau intègre ça très facilement. Et en fait, on est en train d'aller vers des humains qui savent intégrer plus facilement ces outils technologiques. C'est pour ça qu'on a appelé ça la réalité immersive. En fait, c'est des clients qui s'adaptent très, les clients vont s'adapter très facilement à avoir ces outils technologiques autour d'eux. Les deux derniers points, on en a longuement parlé, tous les réseaux sociaux, bon, c'est pas en Algérie que je vais parler de ça, hein. C'est quand même, enfin, c'est phénoménal ce qui s'y passe, mais surtout le privacy awareness, en fait, on vit dans une espèce d'antagonisme coopératif, contradictoire, où d'un côté, les êtres humains sont de plus... Vous voyez toutes les études sur le comportement des êtres humains, tous de plus en plus ouverts à partager de l'information. Ce que les clients, les êtres humains partagent aujourd'hui, ne pensaient pas de faire il y a 2 ans, si on leur avait posé la question. Et je pense que dans 2 ans, ça sera encore mieux. Mais en même temps, on a une augmentation de la sensibilité à ce qui se fait avec les données. Donc on va être dans un monde où il y aura plus de données partagées, mais plus protégées. Là où, lorsqu'on a le débat sur les données de « est-ce que j'ouvre, est-ce que je ferme ?», c'est un débat c'est d'un autre siècle, c'est un débat d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas « est-ce que je ferme tout, je ne permets pas d'accéder ?» Les données vont passer, que vous vouliez ou pas. Ça va passer, je vais raconter une anecdote sur ça. Mais la question, c'est comment je protège, définir les données les plus sensibles et protéger celles-ci, je les bunkerise. Et le reste, je m'en fous. C'est pas le cas de construire un bunker sur tout, mais je construis les bunkers sur ce qui compte, et le reste, au contraire, je le laisse ouvert. Je vais raconter 2 anecdotes sur cette question de lien ou de relation avec les données. Premier cas, c'était en Inde. Je vais juste prendre un peu d'eau. Et d'ailleurs, ça va nous parler en Algérie pour les coupures d'électricité. On travaillait pour une utility, donc une sonde à gaz en Inde, pour voir qu'est-ce que le digital va changer chez eux, et on disait quelque chose d'intéressant, c'est d'avoir une cartographie de la zone sur laquelle vous distribuez, que vous mettez à disposition de vos clients pour dire, ben là, il y a aujourd'hui une coupure électrique à tel ou tel endroit, ça permet par exemple aux entreprises qui font des travaux publics d'anticiper, de ne pas aller à tel endroit parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc c'est pas mal d'y aller. Il y a beaucoup de coupures d'électricité en Inde. Et là, le PDG nous dit, oui, mais ça m'embête un petit peu parce que ça montre que notre réseau n'est pas performant. Ok, dans l'acte, c'est comme ça. Ce qui s'est passé quelques mois après, c'est que les citoyens eux-mêmes ont créé un site sur lequel chacun déclare quand il y a un incident, et ça crée une carte beaucoup plus précise que ce que cette utilité avait chez elle. Les données sont là, on ne peut pas bloquer, c'est une question de temps, ça arrivera à un moment ou à un autre. On veut dire je ferme et je laisse, ça, à un moment ou à un autre ça va céder. Et du coup ils ont retrouvé dans une situation absurde où stupide, ou s'ils avaient anticipé ça, ils avaient mis ça à disposition, ils auraient pu tourner la chose en leur faveur, plutôt que ce site qui est né de rien, et puis, qui est plutôt né dans l'anti. C'est des clients qui disent, regardez à quel point ils sont mauvais, ils sont même pas foutus de nous dire ça, c'est nous qui nous orientons pour le faire. Donc ils avaient géré une crise. On avait rencontré aussi, dans un autre le cas extrême cette fois, la ville de Los Angeles, je sais pas, c'est quoi, 20 millions d'habitants, c'est presque un pays, hein, c'est 3 fois l'Autriche. J'avais rencontré
des visionnaires. Hein, de, la mairie, en fait, gère un budget phénoménal. Et ils ont un CIO. CIO, c'est la dénomination classique du Chief Information Officer, qui est le DSI. Mais chez eux, ils ont transformé le I, non pas de Information, mais Innovation, Chief Innovation Officer. Donc ils s'occupent de la technologie, mais aussi de l'innovation derrière. Vous avez compris, en fait, que la technologie n'est pas un sujet technique. Et sur les données, ils avaient une position radicale quand ce CIO est arrivé. Moi, ma règle, c'est d'ouvrir par défaut. C'est pas, je ne partage pas jusqu'à ce qu'on me dise « Ok, ça, tu peux partager ». En fait, tout est partageable, sauf si on me dit « Cette information n'est pas partageable ». Comme ça, ça oblige les gens dans la discipline à dire qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas. Et tout le monde a levé le bouclier au premier conseil municipal. Et en fait, le maire qui était visionnaire a dit « Mais en fait, c'est pas idiot mon truc, parce que du coup, les journalistes vont être mis à nu, puisque les journalistes courent de scoop en scoop. Dès qu'ils découvrent un truc, ils vont couvrir pour le mettre. Mais là, tout est disponible, donc même ce qui est censé être une erreur de gestion de budget, elle est accessible à tous, donc ça n'intéresse personne. Et du coup, en fait, le mot de scoop a baissé. Bien sûr, tout n'est pas partagé, il y a des choses liées à la sécurité nationale qui ne sont pas partagées. Mais on voit bien, en fait, que cette relation avec la donnée, c'est un réflexe différent qui arrive. On a vu tout à l'heure sur la technologie, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Là, quand on voit comment les clients évoluent, moi, j'ai appris une règle, c'est que je faisais toujours l'erreur de projeter sur les autres mon comportement. Et moi, ça ne pose pas de problème, je le fais, ça, ça ne pose pas de problème, je le fais. Mais en fait, c'est juste surprenant quand on voit le mix de la société humaine, qui a différentes générations, des gens qui ont une relation à la technologie, une relation à l'ouverture, une relation à la donnée qui est très différente. Mais quand on voit la société dans son ensemble et comment elle évolue, c'est une société, en fait, qui a marre du standard et de la camelote. Je veux des solutions personnalisées. C'est une société qui a de moins en moins de liens forts avec le matériel. C'est plutôt le service qui est derrière. C'est une société qui intègre plus facilement le cerveau humain, assez surprenant sur comment on intègre la technologie. Et c'est une société qui va de plus en plus vers l'ouverture. L'ouverture de données, c'est une fatalité historique, qu'on le veuille ou pas. On peut toujours retarder, mais on ne peut pas le tenir longtemps. Vous allez me dire, ce n'est pas des sujets pour l'Algérie, mais détrompons-nous, parce que je pense, par exemple, sur le sujet d'ouverture des données, c'est des choses qui peuvent arriver très vite. Plus, en fait, c'est compliqué, plus ça intéresse les gens. Donc, il faut arrêter de dire que c'est des tendances de loin, c'est pas pour nous, c'est une question de temps. Il y a peut-être 2 ans d'écart, mais ça arrive à n'importe quel... ça arrivera indépendamment de tout ce qu'on pense. Un dernier point aussi sur ce sujet, tant qu'on est en train de parler, sur est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour la Silicon Valley. Il y a un concept qui se développe aujourd'hui, un concept qui a été théorisé, ça existe depuis longtemps, qui s'appelle le reverse engineering. En fait, on arrive dans un monde où l'innovation, avant l'innovation, avait un flux naturel qui était, ça venait de l'Ouest, ça va de la Californie, ça va en Europe, et après ça descend vers le Sud. Qui est d'ailleurs un peu contre-intuitif parce que le soleil se lève à l'Est et non pas à l'Ouest. Et en fait, on arrive à un monde aujourd'hui, ça je ne voulais pas l'écrire ici parce que c'est juste un peu, quelque chose qu'on voit partout. C'est le reverse engineering, c'est en fait c'est le schéma inverse. On voit des innovations en fait maintenant qui viennent de l'Est, de la Chine. Vous voyez aujourd'hui les téléphones, hein, Samsung qui détrône Apple. Je prends un exemple très simple, Huawei, qui était le fabricant d'équipements télécom, qui était vu il y a une dizaine d'années comme des gens qui copient sans. En fait, ils appellent ça copying with pride, copier avec fierté. Donc, ils n'avaient aucun complexe à copier. Aujourd'hui, c'est vu comme un des acteurs les plus innovants. Alcatel a disparu, qui se moquait de Huawei, mais Huawei existe. Huawei ne nous aurait rien acheté si on les avait laissés faire. Donc, l'innovation vient de l'Est, et l'innovation aussi vient d'Afrique. L'exemple que je trouve le plus frappant, c'est le mobile money. Maintenant, les Européens s'intéressent au paiement mobile. Et maintenant, nous, on regarde en disant, ah, regardez, c'est intéressant, mais le paiement mobile n'a pas commencé en Europe. Enfin, si, l'idée est née là-bas. Mais c'est un PSA, c'est au Kenya, c'est Orange Money en Afrique. Orange s'inspire d'Orange Money pour développer ses solutions de paiement en Europe. Parce que, en fait, on est dans, c'est ce que je disais au début, nos problèmes sont nos solutions. Le problème de manque d'infrastructure technologique, c'est un avantage. Parce que je n'ai pas à migrer les problèmes que j'avais avant. J'ai une feuille blanche. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que dessiner un beau tableau sur une feuille blanche? Et la deuxième chose, on est contraint. On est obligé de nous vivre. On a beaucoup plus de problèmes, on a moins de confort. On est obligé d'innover pour survivre. Et ces technologies-là, en fait, nous permettent d'être plus créatifs. Je suis désolé, je me suis un peu trop étalé, en fait, sur ce panorama de là où on va dans 3 ans, parce que ça me semblait important de voir, pourquoi je disais qu'il faut arracher ce sujet de numérique,
des mains des DSI, sauf si c'est comme celui de la ville de Los Angeles. C'est un sujet économique, social, politique, philosophique. Et deux, c'est pas un sujet des autres, parce que le soleil de la technologie ne se lève plus à l'ouest comme il l'a fait, mais le soleil de la technologie se lève à l'est, il revient à la normale, de la Chine, et sud au sud, en Afrique. Et c'est un phénoménal réservoir d'opportunités pour un pays comme l'Algérie. Justement, en parlant de ça, allez, je sais pas comment je suis en termes de timing. Vas-y, c'est bon. D'accord. Je voulais parler de deux choses. Un, quand on parle aux dirigeants d'entreprise, on dit voilà, c'est le monde. Deux comportements. Un, je flippe. Oh, je ne vais plus exister. Deux, c'est. Il va falloir que je me réinvente. Ou il y a des super opportunités que je ne voyais pas. Il faut que je crée une autre entreprise. Et en fait, ce cadre d'analyse, c'est un peu la façon avec laquelle je résumerais si j'étais dirigeant d'entreprise, c'est comme ça que je travaille avec mes clients, sur. Quelles sont les questions que je dois me poser, moi, comme entreprise, une fois que je vois que c'est ça le monde dans lequel je vais évoluer, les thèmes sur lesquels, si je n'ai pas un plan d'action sur un de ces thèmes, j'ai un problème, je vais avoir un problème. En Algérie, enfin ailleurs, j'ai peut-être 3 ans, en Algérie, peut-être 4 ans ou 5 ans. Ou, si je le fais rapidement, je peux être beaucoup plus innovant, aller plus vite et conquérir d'autres marchés. La partie haute, c'est la partie de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends, enfin ma raison d'être, ma proposition sur le marché. Et la partie du bas, c'est comment je le fais. Sur le qu'est-ce que je fais, on voit bien, sur l'aspect client, c'est tous les canaux dont on parlait tout à l'heure. C'est je vais interagir avec mes clients avec ce téléphone mobile, j'ai plus besoin de boutique de moins en moins. Ma relation avec les clients, on appelle ça aujourd'hui les chatbots. Avant, quand on appelait le service client, vous savez, le service client, c'est comme pour les opérateurs télécoms, quand il y a un problème, il y a un numéro que j'appelle pour résoudre mes problèmes. Jusque-là, il y avait des gens qui répondaient. Le problème que les Européens avaient, c'est que ces call centers étaient dans des pays émergents et les clients locaux avaient un peu de problème en disant ça, ils volent notre travail, etc. Aujourd'hui, en fait, on a un pourcentage non négligeable de ces interactions qui sont faites par des robots, notamment par les textes, et avec une finesse et une intelligence phénoménale. Donc, en fait, la relation que j'ai avec mes clients est en train d'être changée. En le faisant avec des robots, ça permet de réduire les coûts, d'être plus efficace, etc. Le deuxième sujet sur l'efficacité, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'automobile, sur la supply chain, toute la structure de chaîne de valeur va fondamentalement changer. Je peux échanger mes données plus rapidement avec mes fournisseurs, donc les délais, les stocks, tout ça peut changer. Je peux fabriquer des produits avec des gens éparpillés partout dans le monde. D'ailleurs, certains anticipent qu'à horizon 2030-2050, on va vivre, aujourd'hui on vit, si vous voyez le nombre moyen le nombre d'employés dans les grandes entreprises, ça ne fait que croître, on va dire certains anticipent, ça baisse, parce que j'ai plus besoin d'avoir les gens au même endroit pour être efficace, je peux travailler en réseau avec des entreprises qui sont fragmentées, les outils permettent de le faire. Après, il y a le sujet de disruption, on en parlait tout à l'heure, Airbnb qui arrive, qui secoue toute l'industrie du tourisme. Accor qui a regardé Airbnb avec dédain s'en mord les doigts, ils lancent maintenant leur propre Airbnb avec plus ou moins de succès. Donc si on n'anticipe pas ces disruptions, c'est quand même compliqué. C'est pour ça que je disais, c'est très important de partir de où va le monde et construire pour ce monde, plutôt que de dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais. Ce qu'on a aujourd'hui n'a plus de valeur, ça disparaît, les cycles sont tellement rapides que ce qui est pertinent aujourd'hui ne l'est plus dans 3 mois. Et après, il y a ce qu'on appelle les capabilities, donc ce dont j'ai besoin pour vivre dans ce monde, bien sûr les technologies. Vous avez compris, j'en ai même pas parlé, mais une entreprise non équipée en technologie, c'est juste pas possible quand on vit sur la marge de la société. Les compétences pour étudier, on a parlé tout à l'heure de la valeur des données, 15%, 20% dans le hardware, 80% dans le service. Donc si je veux jouer dans les 80% de valeur qui flotte dans la chaîne de valeur, j'ai besoin de ces compétences de ces gens qui maîtrisent les données. L'organisation, bien sûr, c'est des compétences différentes, des organisations différentes. Aujourd'hui, les trucs à la mode, c'est les organisations plates. Avant, on avait des organisations qui descendent jusqu'à N-10, N-8. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens, parce que le N-10, il peut avoir autant d'impact sur l'entreprise que le N-1. Le N-10 peut envoyer un tweet, qui peut, enfin, peut-être pas en Algérie, ça n'a pas trop d'impact, mais qui aura un impact phénoménal sur l'entreprise. Vous avez tous suivi l'histoire de United. C'était... ils avaient fait un surbooking, ils ont débarqué un client avec violence d'un vol, il y avait quelqu'un qui a filmé la scène,
mise sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux, le cours de l'action a perdu, je crois, 2-3% en une journée. Combien ? 4% en une journée, c'est phénoménal, c'est des milliards de dollars qui sont évaporés. C'est quoi le lien avec l'organisation ? La personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui était en charge de la relation client sur le vol, qui était probablement un de moins 10 du CIO, il ne voit pas ce qui se passe, et qui a détruit 4% de valeur de l'entreprise. Alors vous imaginez, 4% de la valeur, c'est des milliards qui s'évaporent, et ça demande un travail phénoménal après à tout le monde pour rattraper ça. Je suis un employé, même au plus bas niveau de l'échelle de l'entreprise, un stagiaire, je prends des informations, je les mets en ligne, je détruis toute la confidentialité. Et du coup, en fait, ces organisations archaïques n'ont plus de sens. C'est des organisations, maintenant, en fait, on réfléchit, vous voyez, enfin, chaque terme, on peut passer des heures dessus, mais aujourd'hui, les débats qu'on a avec nos clients sur les organisations, c'est comment on construit des organisations basées sur l'expertise, des organisations qui valorisent la compétence. J'ai un des clients nordiques, il est très fier, le CEO, c'est une boîte qui fait 15 milliards de dollars, donc c'est une très très grande société. Le CEO est très fier pour dire que la personne la mieux payée de l'entreprise, c'est un ingénieur, parce qu'il maîtrise quelques brevets chez eux. Il est très fier d'annoncer ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les organisations où le chef de service est payé mieux que l'agent, qui est payé moins bien que le directeur, etc. Ça n'a plus de sens. Le directeur, parce qu'il ne sert pas à grand-chose, il est important pour le rouage, mais ce n'est pas lui qui fait la valeur. Dans une entreprise, il y a des poches bien précises, et la valeur se crée. Et si on ne valorise pas ces poches où la valeur se crée, l'entreprise n'a plus de raison d'être, et tout le reste ne sont que des fonctions support. Un PDG n'est là que pour donner la vision, ses directeurs sont là pour l'exécuter, les chefs de service sont là pour que les gens qui sont censés créer de la valeur en créent. Et il ne faut pas se tromper de là où se crée la valeur, parce que c'est très très fluide. On parle par exemple des compétences très demandées aujourd'hui comme les data. Pour mon équipe, je recrute des data scientists. Au début, j'avais un peu de mal quand même à leur donner des salaires plus élevés que le mien. Mais je sais que si je ne les ai pas, je serai moins pertinent sur le marché. Mais c'est comme ça. Et si je dis non au gars, ben, demain il va partir ailleurs, il peut même créer sa propre société. Donc non seulement c'est une question de salaire, mais aussi c'est une question où ces compétences-là demandent d'avoir l'environnement pour s'émanciper, pour libérer leur potentiel. Et ça, c'est vrai sur tous les domaines. C'est ça les sujets organisationnels que ce monde digital impose. Et après, il y a le sujet de l'innovation. Alors ça, c'est un autre sujet aussi très passionnant, parce que les entreprises doivent s'organiser aujourd'hui pour... Tout le monde dit qu'il faut qu'on soit innovant. Ok, merci, il faut augmenter le chiffre d'affaires, réduire les coûts, merci. Mais comment ça se fait ? Et on voit aujourd'hui que essayer... Enfin, ça fait explorer votre concept philosophique qui est le contrôle. Essayer de centraliser, de dire je veux innover et je vais créer une organisation pour l'innovation, c'est absurde. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Netflix. Vous connaissez Netflix, le service vidéo. Netflix, c'est un service en ligne pour regarder des vidéos, des films. Pardon ? Netflix est très fier de parler de son parleur de personnalisation, de son logiciel de personnalisation. Alors moi, Marcin Toumi, quand je me connecte, il me propose des programmes qui correspondent à ce que j'ai vu avant. Allez, se connecte, il voit autre chose. Ils ont essayé de développer ce logiciel de personnalisation qui a donné des résultats mesurés par la satisfaction des clients. Après, ils ont lancé un programme tout ouvert à qui veut essayer de proposer un meilleur algorithme de personnalisation. Et en fait, l'algorithme qu'ils utilisent, c'est un algorithme qui vient de l'extérieur, alors qu'ils avaient dépensé des millions pour développer le leur. Donc, l'innovation ne se décrète pas, l'innovation ne se contrôle pas. L'innovation, en fait, s'observe et l'innovation s'adopte. Donc, il faudrait que ces entreprises aient l'agilité et l'ouverture pour travailler, pour sentir, pour aborder, pour adopter ces innovations qui se passent ailleurs. Les grands débats qu'on a avec nos clients, nos grandes entreprises, c'est comment je crée ces capteurs pour, un, voir qu'est-ce qui se passe, deux, l'adopter rapidement. Et quand je pense aux entreprises ici en Algérie, il y a quelque chose qui me frappe. Il y a une Algérie qui m'attriste, une Algérie qui me rend heureux. On dit, souvent on pose à l'étranger la question, hein, tu es algérien, ça suscite les curiosités. D'abord, il faut que je leur explique, Algérie, c'est pas Nigeria, c'est pour ça que je suis brun mais pas noir. Parce qu'au début, l'Afrique, Nigeria, je comprends pas. Ils pensent que je suis un Libanais qui prend l'argent des Nigérians. Je leur explique l'Algérie, ils disent « Ok, c'est intéressant. » Et après, ils disent comment c'est l'Algérie ? C'est bien ou c'est pas bien ? Et en fait, je ne sais pas dire. C'est pas noir, c'est pas blanc, et c'est pas un gris homogène.
En fait, c'est un écran, il y a des points noirs et des points blancs. Vu de loin, ça semble gris, mais vu de près, il y a des points très noirs et des points très blancs. Donc il y a une Algérie qui me rend très heureux, une Algérie qui me rend très triste. Une Algérie très triste, c'est l'Algérie des... Enfin, je vais parler directement, c'est l'Algérie des grandes entreprises qui sont sclérosées, qui n'innovent pas, qui n'avancent pas. Et l'Algérie qui me rend heureux, c'est l'Algérie blanche, enfin des points blancs, des entreprises créées par des jeunes entrepreneurs, qui en veulent, des jeunes ou vieux, hein, des entrepreneurs, qui en veulent, qui innovent, qui réfléchissent à des modèles différents. Il y en a plein, vous les connaissez mieux que moi. Et en fait, si on arrive à connecter ces deux Algéries, c'est peut-être le blanc qui va déteindre sur le noir et le tableau va s'améliorer. Donc pour moi, le sujet d'innovation, c'est pareil, c'est un sujet en fait de développement. Il faut qu'on trouve ces moyens pour que ces... Pour... En fait, on a des solutions sur ces points blancs, on a des problèmes sur ces points noirs. Il faut connecter les deux, le problème existe à côté, la solution existe à côté du problème. Et ce sujet d'innovation, en fait, il est là. C'est comment connecter cette innovation partout, sans la contrôler, mais plutôt créer ces connecteurs entre ceux qui en ont besoin et ceux qui la font. Parce que les grandes entreprises, je pense, elles n'auront jamais, jamais l'agilité pour pouvoir ça. Ça a pris du temps, mais on arrive à comprendre ça aujourd'hui. Si on dézoome encore plus loin, et okay, ça c'est pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il pour un pays ? On aurait pu commencer par ça tout à l'heure, je parlais de changement phénoménal. Ce graphe représente, ne me demandez pas comment il a été calculé, c'est des gens de mon équipe qui sont beaucoup plus compétents que moi qui l'ont fait, c'est le PIB, l'évolution du PIB mondial depuis l'année 0, jusqu'à l'an 2000, donc depuis la naissance de ces NEX. Vous voyez comment ça évolue, 0, 500, 1000, 1500, et vous voyez le point d'inflexion avec la révolution industrielle, et vous voyez comment en fait la courbe doit être plutôt convexe et non pas concave sur la révolution numérique. Donc en fait on a eu un développement phénoménal qui est déjà impressionnant avec la révolution industrielle, et vous voyez comment le numérique qui s'est... C'est à partir de là, hein, c'est que ça a commencé. A encore donné un coup de boost. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et à tous les dirigeants, hein, politiques, économiques, il faut qu'on arrête de réfléchir avec le schéma d'avant l'inflexion de la courbe. Je parlais tout à l'heure de schéma de directeur automobile, tourisme. C'est comme ça, enfin, c'est ce monde-là qui réfléchit. Construisons pour l'avenir et ne faisons pas continuer à vivre les mirages du passé. C'est fini, ça. C'est dans ce monde que ça se passe. Alors, oui, ça, c'est, enfin, ça dit des choses évidentes avec beaucoup de science. La corrélation entre le niveau, enfin, les dépenses sur les ICT, donc Information Communication Technologies, est corrélé directement avec le PIB. Il n'y a pas, il y a rien à prouver sur ça. Tout le monde connaît ce point. Ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Enfin, si, il y a quand même quelques points intéressants sur le potentiel pour l'Algérie. Après, on va voir plutôt sur les solutions. Les chiffres sont peut-être un peu updated il y a 2-3 ans, mais les directions, ils sont... En gros, quand on regarde les grands paramètres digitaux d'Algérie, c'est la pénétration du mobile, pénétration d'Internet, les exports, les produits de haute technologie exportés en dollars par habitant, la contribution des TIC à l'économie. D'accord ? Et puis là, c'est le classement du World Economic Forum des pays en termes d'adoption des technologies. L'image frappante, c'est que nous sommes un pays qui est un des points noirs, des points blancs sur cet écran dont je parlais tout à l'heure, c'est le mobile. On peut toujours se plaindre, dire c'est pas bien, etc. On a quand même démocratisé le mobile assez rapidement auprès de tout le monde. La 4G est arrivée un peu tard, c'est vrai, mais c'est pas... on a un pays très bien dans le mobile. Par contre, l'absurdité, c'est qu'on ne l'utilise pas encore. Regardez les exportations de technologie par habitant. Regardez le classement de l'Algérie en termes d'adoption des technologies. Regardez la contribution au PIB des TIC. En fait, on est en réalité consommateur des technologies des autres. Dans une économie, les TIC ne peuvent être que deux choses. Soit c'est un poste de dépense, je m'équipe, j'achète à mes gamins des téléphones pour jouer à Angry Birds ou regarder du contenu sur Netflix. Soit c'est un outil de production. Je m'équipe en technologie pour produire des produits à plus forte valeur technologique que je réexporte. Aujourd'hui, on est encore dans le piège de la dépense. C'est-à-dire que l'État, enfin l'Algérie dépense de l'argent pour s'équiper avec des téléphones pour se parler, pour discuter, pour jouer, pour regarder YouTube, pour regarder Facebook, c'est très bien. Mais on n'a pas débloqué les verrous de l'Internet utile, en fait. On est encore bloqué dans l'Internet de l'entertainment. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Et ça, c'est les discussions dont on parlait tout à l'heure.
Donc une fois qu'on a dit ça, quels sont les schémas ou les poses? Ça, on s'en fout, c'est pas très... Tu vois, ça revient aux grandes idées. Du coup, quel est le schéma derrière? Enfin, ça me met très mal à l'aise de parler de ça parce que je déteste ce piège de Yaka Faucon. Les solutions sont connues par tous. Tout le monde, on sait ce qu'il faut faire. On n'en voit pas encore sur la Lune. Hein. C'est des choses que tout le monde a fait. C'est des questions de volonté, en fait. Et vous allez me dire aussi, il y a le piège facile de dire oui, mais on attend que les autres décident pour vous donner. Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas que ce que nous faisons aujourd'hui fait partie de ça. Ce que certains font dans certains groupes privés fait partie de ça. Une grande entreprise qui tend la main à des startups fait partie de ça. Ça se fait partout, en fait. Et pour moi, les grands axes d'une politique économique, voire d'une politique digitale économique, c'est rien de nouveau. Hein. C'est ce qu'on a fait au Moyen-Orient, au Qatar, ou dans des pays qui ont profité justement du problème qui est devenu une solution, c'est-à-dire le manque d'infrastructures qui permet d'aller plus vite. Ce sont ces cinq axes que je vole avec fierté à un travail qu'on a fait dans d'autres entités, mais c'est du bon sens. La première chose, toute politique économique doit pousser le développement des usages, dans le privé et le public. Ok, super, mais ça veut dire quoi? Ça peut passer par des choses très simples. Ce que fait, par exemple, le ministère de l'Intérieur sur l'administration, c'est extraordinaire, parce que ça donne du sens à pourquoi j'ai un téléphone, pourquoi j'ai une connexion Internet, je peux commander mon casier judiciaire, suivre mon passeport, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut en faire beaucoup plus, et on peut aller beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas cette legacy, cette technologie historique. Le paiement des factures pour les entreprises publiques, tous ces sujets-là, c'est comme ça que ça se développe, en fait. J'entends beaucoup ces débats, on appelle ça les débats sur les sexes des anges, les anges sont mâles ou femelles. Il y a toujours des réponses. Il y a le débat équivalent, est-ce qu'il faut développer l'infrastructure ou les services d'abord? On n'en sait rien et on s'en fiche. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, petit à petit. On peut passer 2 ans à discuter de ça et entre-temps, le monde avance. Deuxième sujet, c'est l'innovation. Ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est, je pense, bien sûr, il y a tous les mécanismes que l'État peut mettre en place pour le développement des startups, des mécanismes connus. Mais je pense aussi, notamment vu l'audience du CAIR, les entreprises aussi ont un rôle, un devoir moral et une opportunité économique à tendre la main à ces entreprises. La quantité d'innovation que je vois ici, les gens qui ont la niaque, qui veulent faire des choses, c'est juste phénoménal, en fait. Et c'est criminel de passer à côté de ça, en fait, même du point du bon sens économique. La gouvernance du secteur, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais je pense que tout le monde comprend ça. En Algérie, on vit dans une espèce de micmac avec plein d'entités qui légifèrent, gouvernent, contrôlent, ou je ne sais pas ce qu'elles font. Les pays les plus avancés, en fait, n'ont pas de ministère des TIC. Ça n'existe pas, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est souvent des entités qui reportent au sommet de l'État parce que c'est un agenda important, c'est un agenda d'infrastructure, c'est un agenda de développement économique. On a vu tout à l'heure, ça touche tous les sujets, jusqu'à l'idée même de la démocratie, jusqu'à l'idée même de la liberté, jusqu'à la conception philosophique de la vie. Je ne peux pas laisser ça comme ministère technique, c'est absurde, c'est criminel. Donc en fait, c'est... ne me cotez pas, enfin, criminel, je me suis un peu égaré dans les termes. Mais en fait, c'est souvent géré par des agences, des entités qui ont un pouvoir de coordination, parce que le digital se trouve partout. Donc c'est plutôt des agences qui coordonnent l'action de toutes les entités impliquées. Le troisième sujet, c'est l'infrastructure. Bien sûr, enfin, sans connectivité, rien ne se passe, mais ça, c'est une question de temps, et une question d'investissement, une question de... Enfin, la clé derrière, la clé de voûte, c'est Algérie Télécom. En fait, c'est une entreprise qui devrait être une locomotive. En fait, ça, c'est juste phénoménal pour Algérie Télécom, je pense. Et la situation à laquelle fait face Algérie Télécom n'a rien d'inédit, bien sûr. On va toujours commencer. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier de conseil. Il y a un truc que j'appelle les mercenaires de la transformation. Quand on arrive, on dit toujours « Oui, mais tu parles de l'Amérique, de la France, ici, c'est l'Algérie. »« Oui, mais on a déjà essayé, ça ne marche pas. » Oui, mais la RALEP, c'est pas moi, on m'a pas donné les directions, la volonté, enfin, vous les connaissez tous. Et toute l'énergie, c'est de lutter derrière ces mercenaires. Algérie Télécom a vécu la même situation, ce n'est ni pire ni mieux que ce que d'autres ont vécu. Hein. Il ne faut pas leur jeter la pierre, il faut juste que ça se transforme.
France Télécom a commencé pareil, Saudi Telecom a commencé pareil. Et pourtant, c'est des entreprises qui ont réussi à devenir ce qu'elles sont. Deutsche Telekom, il y a 20 ans, c'était des agents postiers. Aujourd'hui, Deutsche Telekom vient d'Europe, détenait une partie de Verizon, un des opérateurs les plus innovants au monde. Ça se fait, on sait ce qu'il faut faire. Il faut s'y lancer, il faut le faire, c'est tout. Et le dernier point, en fait, il y a la question des talents. On nous dit, et moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand j'entends... J'étais au Japon il y a quelques mois, et les dirigeants me disaient, ouais, notre problème, c'est qu'on est une société vieillissante, ils ont un taux de chômage qui est un des plus bas au monde, ils ont dépassé l'inflation, les gens vivent bien, ils disent, mais on n'a plus de jeunes, on s'ennuie dans ce pays, il n'y a rien qui se passe. Et où des jeunes vont dans l'excès, vous baladez à Tokyo, c'est juste extraordinaire, les excès dans lesquels j'entends. Donc ils disent, notre problème, c'est qu'on n'a pas de jeunes. Et je viens ici, j'ai entendu une fois à la télé, quelqu'un avait dit « Le problème, c'est la jeunesse qui est au chômage. » Enfin, ce problème est une solution, c'est pas un problème. C'est pas la jeunesse au chômage, il faut juste laisser cette jeunesse travailler. C'est les gens, les digues qui restent aujourd'hui en Europe contre l'extrême droite, pour l'immigration, c'est le seul argument face auquel ils ne peuvent pas répondre, c'est « Où va-t-on trouver notre jeunesse ?» Ils en ont plus, donc c'est l'immigration qui fournit ça. Et nous, on dit que c'est notre problème, je ne comprends pas. Donc en fait, il y a cette question sur les talents, on en parlait tout à l'heure, et ça, je pense que ce n'est pas une question de donner à chacun un job, mais comme on a vu tout à l'heure, ces nouvelles technologies, ça met entre les mains de chacun une puissance que la NASA n'avait pas en 69, il faut juste laisser ces gens travailler. Je pense que ce qu'on est en train de faire sur le paiement, c'est très bien, parce que tant qu'il n'y a pas le paiement qui se passe dans le e-paiement, qui se passe dans la sphère numérique, il n'y a pas de modèle économique viable, donc personne ne va entreprendre, les business ne fonctionnent pas. Si on fait ça, on va déverrouiller, débloquer. Il ne faut pas travailler sur comment je lutte contre le chômage des jeunes, mais plutôt comment je déverrouille en fait, ce qui bloque aujourd'hui les gens pour travailler. Je ne voulais pas m'étaler sur ça, quand je disais, en fait, ça me met très 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 mal à l'aise, cette posture de donneur de leçons. C'est pas du tout ça, en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, ça vient du fond du cœur, parce que je pense que, je vais finir par ce avec quoi j'ai commencé. Le numérique ou le digital n'est pas un sujet de technologie, mais c'est un sujet d'économie. Le numérique et le digital, c'est le miroir qui inverse les problèmes et les transforme en solutions. Le chômage des jeunes est une opportunité. Qu'on n'ait pas de technologie, c'est une opportunité. Qu'on soit en retard, c'est une bonne chose. Qu'on n'ait pas beaucoup de données, c'est une bonne chose. Mais il faut juste les faire, en fait. Et les champions, je pense, économiques du monde de demain, dans 10 ans, ne sont certainement pas ceux qui étaient là avant. C'est ceux qui sauront définir ce qu'on disait tout à l'heure, le schéma industriel automobile tel qu'il est défini aujourd'hui, le tourisme tel qu'il est défini aujourd'hui, pas avec les réflexes du passé. Voilà, merci pour votre attention. Désolé d'avoir été long. Je crois que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais... C'est bon. Merci, Marcel, pour... Cette idée globale et tu nous as réellement tu as remis les pendules à l'heure. En fait, on était un peu perdu dans tout ce qui se passe actuellement et tu as fait ressortir la rupture comme pas possible, une rupture qu'en fait on est tous en train de vivre chacun à sa manière, hein. Vous la vivez à votre manière de l'autre côté, nous on la vit tout à fait autrement ici. Ça c'est pas numérique, là. Et en fait, le fait de nous avoir brossé ce panorama, ça nous a permis de mesurer un peu le chemin qui reste à parcourir. Mais en fait, comme tu l'as très très bien décrit, c'est un chemin qui reste à parcourir, mais avec tellement d'opportunités qu'on va pouvoir repartir. Et toutes les notes positives que tu nous as données maintenant vont dans ce sens-là. Et c'est fantastique. Et quand tu as parlé tout à l'heure de blockchain, qui est donc le fameux Bitcoin, J'ai comparé cela à ce que nous vivons nous depuis plusieurs années avec la convertibilité du dinar que nous n'avons toujours pas, l'accès aux devises qui est toujours très problématique et l'existence toujours là de Square, de pouvoir faire le change.
Allez, en parlant de Bitcoin, j'ai pris cette photo. J'ai pris cette photo il y a 2 ans. C'est à Soho, à New York. Vous voyez là, c'était devant une agence immobilière. Loft à vendre, Bitcoin accepté. Ils vendaient des lofts à, je ne sais plus, voilà, à 1,7 million de Bitcoin ou 1,8 million de dollars. Donc, c'est partout en fait. On est en plein dedans. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure à propos du bouleversement, que l'innovation vient d'en bas et que le reste suit, et le reste c'est quoi? C'est l'État, c'est le gouvernement, est tout à fait vrai régulièrement. C'est ça qui nous a permis d'avoir WetKnis et toutes les startups qui fonctionnent. WetKnis est un site e-commerce qui fonctionne très bien sans le paiement électronique. Et ça marche très très bien. Et ça fait quand même quelques années. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je voulais faire un clin d'œil à ce qui s'est passé hier, l'attaque géante que nous avons vécue, enfin que le monde a vécu, nous, voilà, je pense qu'on l'a vécu petitement, comme disait un conférencier la semaine dernière, nous, les problèmes de cybersécurité, tout ça, ça ne touche pas parce qu'on n'est pas très développé, donc on n'a pas de paiement, on n'a pas de carte de crédit, mais en fait, c'est pas aussi vrai. Hier, donc, l'attaque, quand votre ordinateur est pris en otage, le hacker vous demande de payer de 300 à 600 dollars, paraît-il, selon le pays où vous êtes. Si vous êtes en Chine, vous payez un peu moins, en Russie, un peu plus, bref. Et puis, imaginez que demandait le hacker pour être payé. Dans quelle monnaie? Dans le Bitcoin. Le hacker reconnaît le Bitcoin comme étant une monnaie internationale. Alors, je relance un peu la balle à Mohsen pour voir cet aspect, donc cette économie qui est en fait à la base devrait appartenir à quelque part à un État qui devrait la prendre en charge et la réguler, mais qui maintenant sert tout le monde. Elle sert même les hackers, donc les pirates, les voleurs, les bandits. Et elle sert aussi l'économie mondiale. Donc, est-ce que c'est vers cela qu'on va aller? À ce moment-là, est-ce que c'est effectivement, c'est pas affolant, quoi? Et quelque part, ça justifie pourquoi chez nous, depuis des années, PolSight fonctionne et WetKnis est là en train de faire des émules. Voilà. Donc, tu peux déjà commencer par répondre à cette question et on reprend tout de suite après des séries de 3 questions à chaque fois. Ouais. J'ai pas de réponse. Hein. Je pense que c'est une industrie qui impose l'humilité et la modestie. Tout ce qu'on ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Donc, avec cette limite, tu as absolument raison. Je pense que l'enjeu que les gouvernants commencent à saisir maintenant de cette économie numérique, je donnais des exemples tout à l'heure sur des questions fondamentales, sur la notion de liberté, de démocratie, etc. Ça chamboule tous les schémas classiques politiques qu'on a connus. Sur le paiement, enfin, je ne veux pas faire la promotion de ça, mais vous connaissez certains qu'on a certainement ce qu'on appelle le Deep Internet. C'est des couches pas accessibles au grand public, dans lesquelles il y a des transactions illicites. C'est un des plus grands endroits de vente de la drogue, de service à gage. Je ne suis pas en train d'en faire la pub, mais... Il y a une économie parallèle qui se développe, qui échappe à tout contrôle parce que c'est payé en Bitcoin. Et ça rejoint la question du blockchain tout à l'heure, parce que l'encryption n'est pas maîtrisée, on ne sait pas qui est-ce qui est derrière. Et en fait, ça pose des questions fondamentales. Aujourd'hui, les gouvernements sont un peu bloqués face à ça. Bien sûr, on interdit, mais on n'y arrive pas. Moi, je pense que si, encore une fois, notre problème, c'est notre solution. Le fait qu'on n'ait pas grand-chose, c'est plutôt une façon plus simple de construire la réglementation qui permet d'être plus... Enfin, qui tient compte du fait que ça sera libre, on ne contrôlera pas. Ça, c'est given dès le début. Essayer de contrôler ne marche plus, ne marchera pas, et ne marchera pas du tout. On essaie d'arrêter le Bitcoin, ça ne s'arrête pas, quelqu'un d'autre va le prendre, et ça sera tout le temps le cas. Ça sera tout le temps. Mais il y a des schémas de réglementation pour ça. Il y a des schémas de réglementation. C'est juste qu'il faut s'adapter en fait à ce nouveau monde et surtout se faire violence et accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant. C'est de ne pas pouvoir contrôler des choses. Parfait. Et ce qui me frappe, excuse-moi Ali, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est une arme à double tranchant. On a vu les exemples négatifs, mais aussi cette liberté, ce non-contrôle permet de faire des choses extraordinaires. Quelque chose d'actualité.
Ce que l'élection française nous a appris récemment, c'est quand même assez extraordinaire. Un pays aussi, avec un establishment aussi bien établi qu'en France, qui fait sortir quelqu'un qui n'a pas de parti, qui n'était pas dans la politique il y a 3 ans, ben, je pense qu'on aurait dit ça à un Français, il n'y aurait pas cru. Et c'est en France qu'elle se passe, c'est pas aux États-Unis. Parce que là aussi, en fait, cette équipe a fait un usage des nouvelles technologies qui dépassent les clivages classiques, qui permet d'arriver à ces choses-là. Donc en fait, on ne voit pas encore les limites dans un sens ou dans l'autre de ça, mais il faut juste accepter. Je pense qu'il est commun, c'est le non-contrôle, et deux, on ne peut pas appliquer les schémas juridiques classiques sur ce monde. Effectivement. Très bien. On va prendre 3 questions, première série. Oui. Essayer de, encore une fois de parler à l'heure. Voilà, il a fait. Bonjour. En tout cas, monsieur Toumi, je vous remercie. Je crois que. Ne l'approche pas trop. Toute l'assistance a été captivée par votre communication. Elle nous a surtout beaucoup remonté le moral. Oui, parce qu'en fait, en ma qualité de juriste, on arrive en ça. Oui. En ma qualité de juriste, aujourd'hui, en fait, Ali l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est vrai que quand on voit la cyberattaque de ce vendredi, on peut que s'interroger sur l'Algérie. Et c'est vrai que nous avons nos pouvoirs politiques nous répondent « Ah ben nous, on n'est pas concernés ». Et ça, il n'y a rien de plus irritant. Ça m'est arrivé en 2002, quand je parlais au ministère de la Justice de preuves sur support électronique. Et là, on me dit « mais non, nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade ». Et malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'Algérie ne peut pas se permettre. Alors, de votre point de vue, vous avez mis l'accent sur la donnée, l'importance de la donnée aujourd'hui. Est-ce que de votre point de vue, c'est un bien ou un service? Parce que la qualification aujourd'hui est très importante de cette donnée qui semble, en tout cas nos politiciens semblent ignorer ce qu'il y a comme pouvoir important derrière la maîtrise de ces données, le contrôle de ces données et la protection de ces données. Je vous remercie. Merci. Et à qui appartient la donnée, en fait? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de bien ou de service. Très bien. Prends une deuxième. Vous vous déplacez, vous vous présentez. Merci. On vous remercie, M. Toumi, de nous avoir gratifié un peu de cette présentation captivante. C'est M. Trémy, je suis consultant. Donc, moi, ce que j'ai un petit peu compris, c'est que nous sommes un peu dans un carrefour un peu difficile. Un carrefour où on doit faire le choix. Au début, vous avez mis un triangle où vous avez un peu fait le constat de ce qui se fait un peu dans le monde, des outils qui doivent être utilisés, et vous avez mis où va l'Algérie. Okay. Donc la réponse n'a pas été donnée. Donc je demande à ce que un peu soit faite une clarification à ce niveau. Un autre point ici, également, c'est que nous connaissons tous que le numérique est une condition sine qua non pour l'Algérie si elle veut un peu sortir et aller de l'autre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le gros poisson qui mange le petit poisson, c'est beaucoup plus le poisson le plus rapide qui va manger le plus lent. Donc l'Algérie doit obligatoirement se mettre dans ce diapason pour essayer un peu d'aller de l'avant. Donc ma question, c'est un peu les constats étant faits, les gens, les enjeux étant connus. Alors concrètement, quelle stratégie doit adopter l'Algérie d'après vous pour un peu affronter cette problématique? Ça d'une part. D'autre part, au niveau de l'entreprise, vous avez dit tout à l'heure que les techniciens doivent se décider un peu de cette action et la donner aux décideurs. Moi, je vois au niveau de l'entreprise 2 personnes, le DRH et le décideur. Le DRH parce que c'est lui qui gère un peu le capital humain, et le capital humain doit être élevé et rehaussé au même niveau que le capital financier, le capital matériel, et ouvrir la voie vers ce qu'on appelle le capital immatériel. Malheureusement, en Algérie, cet aspect est très peu
considérer. Donc, est-ce que vous considérez avec moi, je ne sais pas, si les deux personnages au niveau de l'entreprise, c'est eux qui doivent booster et lancer un peu cet aspect-là. Voilà, je vous remercie. Donc, merci. Une troisième question. Oui, le micro, faites circuler le micro. On le passe comme ça. Oui. Voilà, le baladeur. Ah. C'est ça, il ne faut pas le rapprocher. Il coupe. Bonjour, Yacine Tahari. Bon, je suis à mon cabinet de conseil, je fais de l'accompagnement technologique des entreprises en Algérie. Je voulais vous remercier déjà pour la présentation. Bon, je n'ai pas tout vu, mais dans l'essentiel de ce que j'ai vu, je suis assez d'accord et pas trop de remarques, uniquement des compliments. Comme je le dis, je suis d'accord avec vous parce que bon, on est en train de partir là sur tout ce qui est data, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est mécanisation du travail. Bon, j'estime que dans 15 ans, on n'a plus besoin des gens. En Algérie, j'ai l'impression qu'on n'en a pas, enfin, c'est même pas qu'une impression, on n'en a pas vraiment conscience, mais parce que j'estime qu'on n'a pas d'experts réels dans ce domaine-là. Notamment tout ce qui est technologie et notamment autant dans les institutions et les entreprises. Du coup, moi, la question que je demande, enfin que je pose, c'est surtout notamment le rôle de tout ce qui est experts qui font partie de la diaspora algérienne qui sont à l'étranger, parce que je sais que le marché algérien est un marché potentiellement super intéressant, parce que justement, comme vous le dites, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore les Tesla, on n'a pas encore les Snapchat et Facebook algériens. Du coup, moi, je me demandais justement quel est le rôle des experts étrangers par rapport à l'environnement algérien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour de l'étranger, c'est un marché qui est intéressant? Merci. Très bien, merci. Tu veux répondre à la première question et puis on prend trois jours. On va tester ma mémoire. Je crois que je m'en souviens tout. C'est la première vote sur la question des données. La question c'était, vu la nature et les usages qu'on fait des données, naturellement qualifiées, est-ce que c'est un bien, est-ce que doit être vu comme un bien ou comme un service? Du point de vue juridique, je suis complètement incompétent pour répondre à ça, mais de ce que je vois en termes d'usage, je pense que c'est un actif. C'est un actif. Je ne dis pas que c'est un bien parce que la valorisation du bien n'est pas tout à fait la même qu'un actif. Un actif peut accepter des goodwill, des choses non tangibles. Mais pour moi, c'est plutôt les questions qui sont sous-jacentes. Un, je pense que c'est la question de qui détient la donnée. Parce que les données me concernant, elles sont à moi. Comme j'ai une maison qui vaut tant de dinars, ben les données qui m'appartiennent ont une valeur, ou peut-être une valeur inestimable, et c'est à moi de décider de les donner ou pas. Donc, comment on gouverne les données personnelles? Après, il y a les données qui ne sont pas personnelles, parce qu'aujourd'hui, on a des données, par exemple, si on prend cette salle, on a des données sur chacun dans la salle, ces données nous appartiennent à tous. Données de santé, ce qu'on veut, mais aussi des données qui sont celles de la salle, qui n'appartiennent à aucun d'entre nous, mais qui nous appartiennent à tous, et des entreprises peuvent utiliser ça. Exemple, on voit aujourd'hui tout le business qui se développe dans la pub, dans les centres commerciaux, vous allez en Europe, même ici, hein, j'imagine qu'il y a des affiches publicitaires dans les centres commerciaux. Lorsqu'on sait comment les gens marchent dans un centre commercial, je sais qu'il commence à entrer, il a 5 minutes, après il continue d'avancer. Je ne sais pas qui personnellement, ce que chacun fait personnellement, je sais globalement ce qu'ils font. Et cette information se vend. Verizon Telefonica vend cette information. Donc il y a aussi la question de la donnée collective, comment, à qui ça appartient. Donc la première question c'est l'appartenance, avec ces deux niveaux. Et après il y a la deuxième question qui est la réglementation. Donc, je dirais la réglementation d'un partage de la valeur de cette information. Aujourd'hui, ils ont dit que l'information, c'est comme le pétrole. Le pétrole, parce que le pétrole est algérien, ben on prend 51% ou X%, et puis les gens qui l'exploitent prennent Z%. Ben les données algériennes, pareil, c'est notre pétrole, c'est à nous. Google, aujourd'hui, se sert sur nos données, les utilise, et ce n'est pas valorisé. Donc, comment on gère cette valeur? Donc, pour moi, c'est un actif qui pose les deux questions. Un, à qui appartient cet actif? Avec la complexité, la sophistication de toutes les données ne peuvent pas être liées uniquement à une personne, mais parfois à un groupe de personnes. Et deux, comment on réglemente la valeur de cet actif? Aujourd'hui, c'est le Wild Wild West. Hein, c'est celui qui peut s'en servir, il fait ce qu'il veut. Alors en Europe, il y a le GDPR, en fait, c'est un nouveau cadre réglementaire
qui a été imposée en ce moment en général, c'est les opérateurs et les banques qui détiennent le plus d'informations sur les clients, qui essaient de réglementer la première question de à qui ça appartient, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. C'est juste mon droit en tant qu'être humain de dire je ne veux pas que cette information soit utilisée par quelqu'un si je ne le souhaite pas. Après, il y avait les deux questions de monsieur sur, si je me rappelle bien, il y avait une sur le, si on dit, il faut, un, c'est quelle est la solution pour l'Algérie, et deux, si on dessaisit le DSI de ces problématiques, est-ce que c'est le DRH et le CIO. Je vais commencer par la première, je n'en sais rien. Et j'irai plus loin et je dirais, en fait, je ne sais même pas si c'est une question. Si je peux me permettre avec tout le respect, c'est pas mon cœur, c'est vraiment une conviction profonde. Je ne pense pas qu'on ait besoin de répondre à cette question. Parce que personne ne sait ce qui va se passer. Enfin, on a vu toutes les tendances, etc. Mais tout ça, c'est des super... Ma conviction, c'est surtout de travailler sur les fondamentaux. C'est comme mes enfants. Je ne veux pas dire à mes enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur avenir. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à eux de le faire. Par contre, je dois leur donner la bonne éducation pour qu'ils fassent les bons choix. Et c'est pour ça que les axes sur lesquels on a parlé ici, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je ne dirais jamais... C'est absurde de dire travailler sur je sais pas, la pression 3D, j'en sais rien. Mais il faut travailler l'éducation. Et l'éducation, c'est enfin, la bonne éducation digitale, c'est de mettre tout ce qu'il faut à disposition pour développer les usages. On a parlé de paiement pour que WhatCnis se développe encore plus. C'est réglementer les données pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut dans la santé et d'autres secteurs. C'est tous les incentives pour l'innovation dont on avait parlé tout à l'heure, c'est des mécanismes classiques, hein, connus, on ne va pas s'étaler sur ça. C'est de mettre de l'ordre dans cette gouvernance un peu vague des TIC en Algérie. Enfin, on ne va pas s'étaler sur ça, mais tout le monde comprend le contexte. C'est de pousser les investissements sur la bonne infrastructure et c'est de réfléchir au programme de formation pour avoir les talents nécessaires pour faire face aux tendances dont on avait parlé tout à l'heure. Donc pour moi, ce n'est pas... Où va l'Algérie, qu'est-ce qu'elle va devenir, on n'en sait rien. Mais je sais que si j'élève bien mes enfants, ils seront des bons citoyens. Donc je sais que si on travaille sur ces fondamentaux, la solution sera trouvée. Et justement, la force, c'est que ce sont les nouvelles générations qui vont s'en saisir pour trouver la bonne solution. La deuxième question, si, pardon, juste un dernier point sur ça, et aussi, je suis profondément convaincu qu'encore plus dans le numérique que dans les autres secteurs, bien sûr, il y a des volontés politiques, etc., etc., mais chaque citoyen peut faire des choses. En fait, WhatCnis n'a pas attendu qu'il y ait le paiement pour que ça existe et que ça se développe. On peut chacun faire ce qu'on est en train de faire ici, il fait partie en fait, de ce changement. Pour répondre à votre question sur ce qu'il faut, si on dessaisit le DSI, ça va aller où, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne pense pas qu'il faille dessaisir le DSI, il ne faut juste pas que ce soit le seul, il ne faut pas que ce soit un sujet technologique. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un sujet, je pense, qui touche tout le management de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on fait des programmes de transformation digitale dans des entreprises, le programme est suivi par le PDG. Il nomme un coordinateur qui est Chief Digital Officer, donc comme un directeur marketing, un directeur du digital. Et dans son comité, il y a directeur marketing, directeur commercial, directeur industriel, directeur informatique, tout le monde. En fait, d'ailleurs, le digital, on a parlé tout à l'heure de l'organisation plate. Je vais vous citer l'exemple de cet acteur d'ordi qui était fier de payer son ingénieur plus que le PDG. L'autre défi du digital, c'est la transversalité. Avant, on avait des silos pour gérer l'entreprise, la distribution, le marketing, finance, etc. Aujourd'hui, en fait, vu que les temps de réaction sont rapides, on ne peut pas continuer à fonctionner dans ces silos-là. Il faut que tout le monde travaille ensemble très rapidement. Je prends un exemple. Alors, c'est par exemple Orange en France, il y a quelques années, a fait une campagne pour vendre une nouvelle offre sur Internet. Et c'est le service de communication, donc Internet, site Internet, donc service de communication a fait ça. Et il a fait un lien vers une page qui présentait l'offre avec un prix. L'équipe commerciale n'était pas au courant, donc le prix était un ancien prix, ça créait toute une cacophonie. Les clients appellent, voient que ce n'est pas le bon prix qu'ils ont vu à l'extérieur ou sur le site. Ils appellent le centre d'appel en disant c'est quoi ce truc, je ne comprends pas. Ça a créé tout un cirque en fait. Parce que dès qu'on met un truc en ligne, il est instantanément partout. Donc il faut que toutes les entreprises travaillent ensemble. Enfin, j'insiste sur ce point parce que je pense qu'il ne faut pas dire que le digital appartient à une entité ou une autre. Il faut dessaisir l'exclusivité de la technologie au DSI. C'est plutôt ça en fait. Le DSI restera toujours important.
Enfin, après, il y avait une question, si je m'en souviens bien, c'était le rôle de la diaspora. Je me sens directement visé. Non, enfin, pas au sens négatif, mais concerné. C'est un intérêt personnel. Non, j'ai compris, concerné, excusez le terme, concerné, pas visé, concerné. Je pense... Enfin, excusez la réponse un peu déstructurée. Première conviction, je pense que ce pays a un potentiel phénoménal, en fait, déjà. Watt Kliss s'est fait en Algérie par des Algériens, pour des Algériens. Et comme on disait tout à l'heure, on a un potentiel, enfin, vous vivez plus que moi au jour le jour, je viens régulièrement, mais je ne vis pas ici, donc je ne le sens pas, mais quand je vois ici, c'est cette image vraiment que j'ai, c'est l'image de la télé des années 80 qu'on s'est fait avec les points noirs et les points blancs. Je vois plein de points blancs, il faut juste les laisser se libérer. Deuxième chose, l'Algérie aussi, il faut qu'on soit conscient de notre place dans le monde. On adore dire l'Algérie, marché stratégique, je vois pas toujours de mes cours de géographie, Algérie, bon, on était frère, rien, oui, c'est vrai, tout ça. L'Algérie, c'est 0,3% du PIB mondial aussi. Donc si j'investis pas en Algérie, il y a plein d'autres opportunités. On est important pour nous-mêmes, c'est sûr, pour nos enfants. Deuxième point. Donc le corollaire de ça, c'est, je pense qu'il ne faut pas attendre que d'autres viennent vers nous. Troisième chose, et là j'arrive encore plus près de votre question sur la diaspora, il est évident que cette diaspora a un rôle phénoménal. Je pense qu'en termes de transfert de technologie, il y a un rôle important. Il y a des gens en Europe, aux États-Unis qui peuvent contribuer, il n'y a pas de doute sur ça. Ça peut contribuer aussi en termes de financement. Aujourd'hui, les rendements des financements en Europe sont très bas. Que vous preniez le marché action, marché obligation, non pas, même pas, c'est vraiment mauvais. Marché action, c'est pas encore extraordinaire. Et le marché de l'innovation, il est saturé par des grands fonds d'investissement. Et tout le monde regarde les pays émergents. Donc ça peut être même financièrement des opportunités très intéressantes. Mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête, et ça je le dis en tant qu'Algérien, c'est... Il faut qu'on arrête de dire il y a d'autres qui vont venir nous aider. La diaspora ou l'étranger. L'étranger, il faut qu'on se rappelle, on est 0,3% du PIB mondial. C'est entre l'Algérie ou le Maroc ou la Chine, enfin, on est maintenant parmi tant d'autres. Et il faut aussi arrêter de dire la diaspora peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, ça les intéresse. Mais je pense que le raisonnement basé sur l'émotionnel, en disant qu'il y a une attache émotionnelle de la diaspora pour leur pays, donc ils vont faire des trucs. J'ai eu plaisir, l'honneur de rencontrer beaucoup de gens dans ces cadres-là, en essayant de faire des choses ensemble, gratuitement, en travail. C'est pas du tout pécunier, c'est pas du tout ça le sujet. Mais il faut comprendre que, notamment dans ce monde digital, vous connaissez mieux que moi aussi, c'est mondial. Le matin, je me réveille avec des clients chinois et je me couche le soir avec des clients américains. Tout est fluide, tout est simple. Donc en fait, de compter sur juste la bienveillance de cette diaspora pour aider, je ne pense pas que ça va aller très loin. Il faudrait qu'à un moment, ça se professionnalise. Quand on fait des grandes choses, il faut s'organiser pour. On n'est pas en train de faire de demande auprès de la diaspora. D'ailleurs, s'il y a des gens plus compétents qu'eux qui ne soient pas algériens, tant mieux, sans complexe, sans rien. Je pense qu'il faut aborder cette question d'une façon beaucoup plus dépassionnée, beaucoup plus factuelle, en disant on a vu le monde dans lequel on va à 2020, quelles sont les compétences dont on a besoin. Si des gens de la diaspora peuvent nous aider, eh ben très bien, mais c'est une relation très factuelle, c'est pas juste sur l'émotionnel, je pense que c'est des discours qui ne marchent pas, et pas uniquement pour le numérique. Et deux, il faut aussi arrêter de dire on est l'Algérie, on est 0,3% du PIB mondial. Bien sûr, on est important parce qu'on est 0,3% du PIB mondial. J'ai d'ailleurs imprimé cette page, en fait, je l'ai sur mon PC parce que ça me rappelle très souvent la réalité des choses. Je suis désolé, j'ai pris un long contour pour répondre à votre question parce que je vous disais, je me sens directement concerné par ça. Moi, je pense qu'il faut juste qu'il y a du potentiel phénoménal dans ce pays, il faut qu'on s'en saisisse de ça ici. Régler Algérie Télécom, c'est pas une question de diaspora. Régler l'infrastructure, c'est pas une question de diaspora. Mettre le paiement pour que des modèles économiques numériques se développent, c'est pas une question de diaspora.
c'est une question d'aller chercher l'expertise là où elle est. Si c'est de la diaspora à Marie-Balac, si c'est quelqu'un d'autre, eh ben, c'est un franc tout le monde. Quoi. Parfait. C'est un hommage que moi, cette réponse. Hein, non, mais de toute façon, on aura toujours besoin d'un diaspora. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est notre autre pétrole, et ça se confirme de plus en plus. Hein. Notre pétrole, c'est je pense, c'est la jeune génération. Oui. Oui. La diaspora, c'est un catalyste. Dont fait partie la diaspora également. Après tout ce qui a été dit, la première série de questions, j'aimerais demander à une personne de faire un témoignage sur un peu la transformation digitale que nous avons vécue sur le savoir depuis une vingtaine d'années. Donc, M. Bibitelki Karim, si tu pourrais nous donner un petit témoignage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Karim a été PDG d'Alphatron, la première entreprise publique qui fabriquait des ordinateurs et des serveurs, et qui continue toujours d'ailleurs. On n'en entend pas beaucoup parler, mais il est toujours fonctionnel. Il a été également représentant d'Intel pendant quelques années. Je vais le laisser dire un peu plus. Merci encore une fois. Merci Ali. Bonjour mesdames et messieurs. D'abord, je félicite l'équipe de CAIR pour l'initiative. Ça m'arrive de suivre les matinales à distance grâce à la technologie, parce que je ne peux pas toujours être disponible et assister en présentiel. Donc voilà un des bénéfices, j'allais dire, de la digitalisation. Et puis je félicite aussi M. Toumi pour l'approche et l'angle d'attaque. Je le rejoins, je ne peux qu'adhérer sur le fait que cette transformation digitale n'est pas juste une question de technologie. L'innovation technologique y est pour beaucoup, elle est critique, mais souvent les révolutions, c'est quand il y a un rythme accéléré de l'innovation technologique associé aussi à des ruptures sociales ou sociétales, je ne sais pas quel serait le mot juste, et je pense que c'est ça ce que nous vivons en ce moment. Avec ta permission aussi, je vais surtout te partager quelques enseignements, au lieu de focusser sur un exemple particulier, quelques enseignements que j'ai personnellement tiré aussi en accompagnant certaines entreprises dans leur agenda de transformation digitale, mais aussi à travers une intelligence collective d'une communauté de plus de 8000 conseillers à travers le monde qui travaillent, qui interagissent tous les jours chez Intel, aussi bien avec de très grandes entreprises, avec des start-up, mais aussi des entreprises historiques, mais aussi avec des PME. Il y a en ce moment, pour ceux d'entre vous qui sont déjà souvent exposés à la thématique de la transformation digitale, qui à propos, parfois, on l'adresse comme la nouvelle économie ou comme la quatrième révolution industrielle. Il y a plusieurs thématiques qui convergent, qui discutent ou qui couvrent la même chose. Et ceux qui ont déjà fait le pas, qui ont pris l'initiative de transformer leur CIO en Chief Innovation Officer, ceux qui ont recruté un Digital Transformation Officer, certains arrivent souvent, rapidement, à ce qu'on appelle la Digital Fatigue. Et la Digital Fatigue, c'est quand, avec tout ça, on essaye de bouger, on essaye de faire, mais on voit après les résultats au cours d'une année, deux ans. On se dit, on est un peu déçu, ça n'a pas changé grand-chose. Je ne suis pas devenu Tesla, et je ne suis pas devenu Uber, et je ne suis pas devenu Airbnb. Et pour ça, je pense que c'est important de dessiner à quoi ressemblerait votre succès avec la transformation digitale. Dire, en entamant ce projet, en entamant cette transformation, qu'est-ce qui indiquerait que j'ai réussi ou pas? Traditionnellement, comme toute entreprise économique, ce qu'on regarde, pour mesurer notre succès, c'est ce qu'on qualifie en terminologie anglo-saxonne « bottom line », c'est-à-dire les comptes de bas du tableau, du compte de résultat, profit, EBITDA, c'est ça ce qu'on regarde pour mesurer notre succès en tant que chef d'entreprise. Depuis 1994 déjà, un certain monsieur a introduit la notion, le concept du triple bottom line. Et le triple bottom line ne mesure plus la performance d'une gestion ou d'une entreprise uniquement sur le résultat économique ou financier, mais aussi à travers ce qu'on appelle les 3 P. Profit, c'est ce qu'on a toujours mesuré dans nos entreprises, mais dorénavant, il faudra compter avec deux autres, planet et people. Monsieur Toumi, à juste titre, avait soulevé l'importance du social. Et on connaît beaucoup d'exemples de sociétés qui, à cause peut-être d'une absence
de l'implication du social dans le plan d'action, dans la stratégie, l'exemple encore une fois de cette compagnie aérienne qui a vu ses actions, sa valeur s'effondrer tout simplement parce que sa réputation dans le monde à travers les réseaux sociaux s'est effondrée. Vous vous rappelez aussi de l'exemple de Apple quand il y avait des critiques par rapport au lieu de fabrication du iPhone et de l'iPad. Donc, mesurez, regardez votre présence sociale et votre réputation sociale, que ce soit via vos actions ou que ce soit via votre marketing digital ou autre, est très critique. Et puis, planète et, encore une fois, l'environnement d'une manière générale. Ce que j'aurais rajouté dans les piliers sur l'évolution sociale, c'est qu'on est aussi à l'ère des millennials. Les millennials, c'est cette génération qui est née après les années 90 ou 81, ça dépend des définitions. Et ces gens-là, tout ce qui est encore une fois social et tout ce qui est environnemental, pour eux, mes enfants sont beaucoup plus conscients et beaucoup plus soucieux de l'impact environnemental, de tout ce qu'ils font, et auront probablement beaucoup plus d'affinité avec un produit ou un employeur qui a un impact sur l'environnement et qui a une politique de développement durable. Donc je voulais préciser ces trois pays juste pour dire qu'on peut progresser, surtout sur le court terme, sur l'aspect people, l'aspect planète, même s'il n'y a pas un changement radical significatif sur la croissance des indicateurs économiques à court terme. Même s'il n'y a pas cet impact-là, ça reste quand même important parce que le succès dans l'économie de demain sera bâti sur ces trois. On ne peut pas réussir seulement économiquement si nous ne considérons pas les deux autres pays. Et un autre exemple, c'est que la croissance économique mondiale viendra de cette nouvelle, de ces nouveaux arrivés de la classe moyenne. On prévoit presque 2 milliards de nouveaux venus sur la classe moyenne qui vont pouvoir se permettre de consommer. Consommer des voitures, des maisons, mais on sait très bien qu'on est à la limite des ressources naturelles. Et donc si on veut se projeter à l'avenir, le seul moyen pour nous de faire de la croissance, c'est d'en faire de l'environnemental et du développement durable un aspect critique. Je peux citer quelques exemples, juste pour illustrer mes propos sur ce volet-là. Michelin offre des pneus comme service. En intégrant des capteurs au niveau des pneus pour les gros engins, c'est des pneus qui coûtent extrêmement cher, au bout d'un certain nombre d'indicateurs, ou sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, elle va appeler le propriétaire de ce camion pour recycler son pneu avant qu'il arrive, j'allais dire, à un point où il n'est plus utilisable. Et donc, on passe d'un concept de cycle de vie de produit à un concept de cycle d'usage. Et Michelin prévoit de faire revivre ce pneu trois fois avant de carrément dire « je ne peux plus rien en tirer, je dois investir sur un autre ». C'est une façon pour elle de continuer à faire de la croissance sur son revenu sans pour autant faire croître sa demande sur les matières premières parce que de toute manière, avec 2 milliards de nouveaux venus de la classe moyenne, on n'aura pas assez de ressources pour répondre à tout. Voilà un premier point, encore une fois, lié juste sur l'importance de considérer à quoi ressemblerait le succès pour ne pas être déçu et ne pas vivre ce que j'ai appelé au début « digital fatigue ». Parce qu'il y a des expériences, certains vont être positifs, d'autres ne vont pas l'être. Toutes vont l'être si on considère les trois P au lieu de considérer juste un seul. Voilà un enseignement que je voulais partager avec l'audience. Je félicite encore une fois M. Toumi pour l'approche holistique et globale. Et puis, la transformation, ce n'est pas uniquement pour les grands, ce n'est pas uniquement pour des startups, ce n'est pas uniquement pour Tesla. Chacun de nous, chaque entreprise doit d'abord regarder quels sont ses assets, quels sont ses actifs. Avec la permission, juste 5 minutes, juste pour illustrer encore mon point. Je vais prendre deux compagnies qui étaient leaders de la photographie. Kodak, qu'on utilise comme malheureusement un exemple. L'exemple algérien. C'est juste pour dire qu'on n'est pas obligé d'être une entreprise de technologie pour transformer son business ou profiter de l'innovation. Kodak, encore une fois, pour ceux qui le savent, est une entreprise qui est sous la protection du chapitre 11, c'est-à-dire qu'elle est en faillite. Et pour l'anecdote, Kodak avait inventé l'appareil photo numérique, parce que c'est celui-là qui a causé sa faillite, mais elle l'avait inventé en 75.
Sauf qu'en 1975, elle avait décidé de ne pas le mettre sur le marché parce qu'elle pensait qu'il va tuer son business de la pilule. Et en fin de compte, ce qu'elle avait comme avance, elle l'a perdu. Et quand les fameux téléphones portables avec 12 mégapixels et je ne sais pas quoi sont arrivés, qui achètent encore des pilules. Voilà un exemple où on n'a pas, encore une fois, évalué les assets qu'on a, et on ne les a pas utilisés à temps, juste pour protéger ce qu'on avait. À côté, un de ses concurrents, Fujifilm, qui fait la même chose, mais qui crée une filiale qui fait des produits cosmétiques aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars. Que fait Fujifilm avec des cosmétiques? Ils avaient juste, ils s'étaient rendu compte que les mêmes techniques, les mêmes disciplines, pour qu'une photo soit belle, soit vivante et reste dans le temps, parce qu'en fait il s'agit d'une protéine qui est le calogène, ils utilisent avec d'autres technologies d'inoxydation, les mêmes qu'ils utilisaient pour leurs photos, pour leurs pellicules, ils les appliquent maintenant sur la peau parce que c'est exactement la même protéine et ils ont aujourd'hui une gamme de produits anti-vieillissants, si on peut les appeler ainsi. Pour dire que cette transformation, elle n'est pas réservée à des gens de la technologie ou à des grandes entreprises, on pourra citer même des exemples de petites entreprises, même locales, elle est disponible pour tous. Il faut juste, encore une fois, ne pas se tromper sur les attentes et les objectifs et essayer certainement de se faire accompagner par des professionnels pour limiter, j'allais dire, les échecs. Je vais m'arrêter là. Je m'excuse si j'ai fait plus de temps. Merci, Caïm. En fait, on est en train d'essayer d'innover au niveau de CARE et avoir un format un peu plus démocratique, un peu plus ouvert. On devait effectivement avoir un panel après la conférence de Massel et puis continuer également dessus. On devait même avoir quelqu'un que vous connaissez tous, qui malheureusement n'a pas pu venir, a été retenu jusque-là, c'est M. Henni Abdelsar, qui devait donner un peu la réplique à Caïm en ce qui concerne le témoignage, donc témoignage public, témoignage privé, en essayant d'avoir un peu l'équilibre. Et donc là, on va tout simplement reprendre la série de questions. Donc je voudrais redonner la parole à la salle de nouveau pour poser des questions à Moisson de nouveau. Très bien. Younes, là-bas. Bonjour, Younes Sadig, journaliste au Maghreb émergent. J'ai trois questions, si vous permettez. La première concerne... certains spécialistes disent que les pays comme le nôtre vont devenir dans un futur proche des colonies numériques des GAFA et leurs équivalents chinois. Est-ce que vous partagez cette analyse? La deuxième question concerne les données qu'on génère sur le net. Maintenant, elles sont stockées et par Google, Facebook et les autres. Est-ce que ça n'est pas une menace pour notre avenir? Et la dernière question concerne les dernières élections législatives. Moi, j'ai suivi les interventions des candidats de la campagne électorale. On n'a pas vu des candidats qui parlent de la transformation numérique. Contrairement, François Macron a basé bien sa campagne sur l'importance de ces enjeux. Pourquoi notre classe politique ne s'intéresse pas à ce sujet aussi important? Merci. Les deux premières questions sont assez proches l'une de l'autre. La question des données, est-ce qu'on ne devient pas des colonies numériques, comme vous dites. Quelques éléments factuels, et après je partagerai mon point de vue. Cette question-là, en fait, elle n'est pas une question uniquement pour notre pays. C'est une question pour tout le monde, et ce n'est pas juste une question des pays émergents. C'est une question pour tous. En fait, en 97, les années 90, quand Google a commencé à se développer, ensuite Facebook, personne n'imaginait le pouvoir que ces entreprises allaient prendre. Et le pouvoir est devenu démultiplié depuis 2007, lorsque Apple a inventé le smartphone avec l'iPhone, qui a été imité par Samsung, etc. C'est là, en fait, où ces entreprises ont commencé à toucher les milliards.
avant, des entreprises puissantes, c'était les entreprises de l'énergie, c'était les entreprises de télécom, c'était ces entreprises-là en fait. Et ces entreprises étaient toutes nationales ou à capitaux maîtrisés, on va dire. Et depuis 2007, il y a quelque chose qui a commencé à se développer parce que ouvrir un compte Facebook peut se faire n'importe où. Donc tout le monde a été pris de court. Donc, première observation, si vous voulez, par rapport aux questions, c'est que je ne pense pas que ce soit une question uniquement pour l'Algérie, c'est une question pour le monde entier. Même pour les États-Unis, en fait, d'où sont originaires ces entreprises, parce que vous imaginez bien que ces entreprises, même si les États-Unis pèsent aller entre 30 et 80% de leur chiffre d'affaires, donc entre 20 et 70% se fait ailleurs, et s'ils sont à la merci des États-Unis, les autres pays ne les laisseraient pas faire. Microsoft a beaucoup de mal à se développer, avait beaucoup de mal à se développer en Russie, parce que le ministère de la Défense leur a demandé d'ouvrir le code source de Windows, qui est juste stratégique, pas possible. Donc vous voyez, il y a des débats qui dépassent les gouvernements, même les États-Unis. Donc c'est une question pour tous. Tous les gouvernements ont été pris de court. Première observation. Deuxième observation, est-ce qu'on va devenir une colonie numérique? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est que la question est un peu plus compliquée que ça. Parce que même ces entreprises, elles sont contestées. On parlait tout à l'heure du blockchain, de tous ces phénomènes-là. Le pouvoir est aussi en train de sortir d'entre les mains de ces entreprises. C'est des clients, des utilisateurs qui développent leurs propres outils pour répondre, en fait, ou pour mettre pression. Combien de fois Facebook a été pointé sur leur politique de privacy parce que des utilisateurs commençaient à publier sur Facebook même ce que Facebook fait avec les données, ça a obligé Facebook de réviser ses politiques de privacy. Donc même ces entreprises-là, elles n'ont pas un pouvoir complet. En fait, on est tous, les 7 milliards d'êtres humains, enfin en tout cas les 4 milliards connectés, en train d'ouvrir une boîte de Pandore où chacun découvre des surprises plus ou moins plaisantes. Les gouvernements découvrent le pouvoir que ces GAFA ont pris, les GAFA découvrent le pouvoir qu'ils ont donné à leurs utilisateurs, parce que si Facebook commence à avoir de la censure, ben, c'est la branche sur laquelle ils sont assis. Les utilisateurs commencent à découvrir le pouvoir des monstres qu'ils ont créés parce qu'ils leur donnent accès à leurs données. Enfin, tout le monde se tient par une barbichette qui est compliquée. Donc la réalité est un peu plus nuancée et compliquée que juste Google et Facebook détiennent du pouvoir. Mais il est vrai que ces GAFA ont un peu trop de pouvoir. Deux, du coup, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon humble avis, je pense qu'il y a trois grandes batailles sur lesquelles il ne faut pas se rater. La première, c'est la question de réglementation sur les données, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'on réglemente quelles sont nos données. Est-ce qu'on est à l'aise en Algérie que nos données soient hébergées à l'étranger? Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? J'ai ma réponse, mais normalement, c'est une question de souveraineté. Il y a tout le débat du cloud souverain. C'est comme j'ai mes réserves pétrolières, ben j'ai mes réserves de données chez moi que je maîtrise. Avec le Patriot Act, le gouvernement américain peut accéder à toutes les données stockées sur les serveurs américains. Donc première question, c'est regagner la souveraineté des données. C'est la première bataille, et ça c'est une question réglementaire. La deuxième chose, la deuxième bataille importante, c'est d'avoir aussi, je ne sais pas si on va créer nos propres GAFA, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de casser ce mur de verre, ce qu'on voyait sur les chiffres, de l'Internet d'entertainment vers l'Internet utile. C'est qu'on soit non plus comme un déversoir des produits, des services. Il ne faut pas les arrêter. Je ne dis pas ça, c'est idiot de lutter contre ça. Mais il faut qu'on ait nos propres services, qu'on développe nos propres services, qu'on arrête d'être consommateur. Et troisième chose, qui rejoint un peu ce deuxième point, il faut considérer cette industrie comme une industrie stratégique comme la défense. Comme la défense. Vous savez, je ne sais pas d'ailleurs si ça va changer maintenant avec le nouveau traité sino-américain du commerce, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, les entreprises chinoises n'avaient pas droit d'investir dans certains secteurs, dont beaucoup sont dans les télécoms. Huawei n'a jamais réussi à se développer aux États-Unis, parce que c'était une industrie très stratégique. Et donc chaque pays doit se doter de ses champions pour cette industrie-là. L'Europe se dote de ADS, d'Airbus, pour sa défense. La même chose pour la pharmacie, c'est des questions fondamentales. Nous aussi, il faut qu'on se dote de nos champions. La question qu'on peut... Et c'est pas juste un but pécunier, mais parce que c'est des industries stratégiques. Si demain, il y a un embargo sur l'Algérie pour une raison X ou Y, nos réseaux télécoms sont construits par des Européens ou des Chinois.
On fait quoi si on est sous embargo? On ne communique plus? Nos téléphones, ils viennent d'ailleurs. Si on fait un embargo, comment ça marche? Donc en fait, il y a des industries stratégiques. Là, la question, je dis, il ne faut pas interpréter ce que je dis comme du nationalisme, du patriotisme aveugle et stupide. Il faut réfléchir à ce qu'il faut avoir un champion national, un champion régional. C'est des jeux d'échiquier à l'échelle mondiale. L'Algérie, c'est 0,3% du PIB mondial. Donc, je ne sais pas si on va compter les champions locaux, mais il faut réfléchir à quels sont nos alliés, diversifier nos alliés. L'Europe, Ericsson, a Nokia, par exemple, pour l'équipement télécom. C'est pas appartient à ce pays, c'est plusieurs pays qui se mettent derrière ça. Donc c'est ça pour moi les trois. Il ne faut pas simplifier, il y a les grands méchants GAFA qui vont nous manger. Non, en fait, tout le monde découvre, c'est plus subtil. C'est un jeu de poker où les mains ne sont pas si évidentes que ça, comme on le disait tout à l'heure. Et deux, c'est les trois batailles que nous devons, auxquelles on doit apporter les réponses, sont celles d'autres entités, la donnée, arrêter d'être les purs consommateurs, et trois, créer notre industrie, enfin considérer les TIC comme une industrie stratégique et non pas juste une industrie qui développe des réseaux pour que les gens aillent sur Facebook et se bipent ou je ne sais pas ce qu'ils font avec. Quoi. On prend trois autres questions. Oui. Oui. Il y avait. Ah oui, je pense qu'il faut leur poser la question à eux. Je ne peux pas répondre pour eux. Il faut leur poser la question directement. Mais en tout cas, c'est symptomatique. Si ça intéresse le peuple et le Parlement n'en parle pas, moi, je me poserai la question. Mais il faut poser la question à eux. Monsieur Assini, je suis ministre des TIC. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé très riche. Aussi, je vous demanderai si c'est possible de nous donner une vision par rapport à l'opérateur télécom, comment il se transformera dans cette révolution digitale. Est-ce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services qu'il devra mettre en place? Est-ce qu'il y a des organisations qui commencent à se mettre en place pour donc il y a les objets connectés, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et comment l'opérateur, surtout l'opérateur. Une autre petite question aussi par rapport à l'aspect formation. Donc est-ce que l'aspect formation, comment il va accompagner cette révolution? Est-ce que l'université ou les différents instituts joueront de la même façon qu'aujourd'hui, ou bien il faut passer à une autre forme de réactivité, surtout parce que c'est des technologies qui avancent très vite, etc. Je vous remercie. On prend une deuxième question. Okay. Salam alaikum. Biki Wafatah, data scientist, je travaille dans une société télécom au pays de Golfe, dans un des pays de Golfe. Donc, je voulais rebondir sur les deux dernières interventions, l'intervention du monsieur sur le télécom et l'autre sur la diaspora. On est quelques Algériens qui travaillent dans ce domaine et on se rencontre souvent et on essaye de d'en parler et de voir comment faire un projet ici en Algérie et retourner ici en Algérie. Le problème, c'est que la réalité du terrain nous rattrape toujours. Quand on essaie de projeter, de faire mûrir nos idées, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui doivent être présentes s'ils ne sont pas présents, on ne peut pas vraiment avancer. L'un des problèmes majeurs pour nous, c'est bien le paiement électronique et bien sûr la convertibilité du dinar. Parce que si on se projette dans les nouvelles technologies digitales, on va parler big data, et vous avez parlé des capacités de calcul, et on doit donc louer les serveurs qui sont dans d'autres pays, on doit les payer, et ça sera par heure, donc c'est pas à chaque fois on doit avoir l'aval de la banque, etc. Donc, on est lié par ça, mais les idées sont là. Et le truc, c'est qu'après quelques mois,
Donc, si on parle d'une idée, on voit qu'une start-up tunisienne ou marocaine l'a déjà donc lancé, parce que c'est des idées qui répondent à des problématiques régionales, algériennes, arabes, donc, ou on va dire une expertise étrangère, donc, où on sera beaucoup plus performant qu'une expertise étrangère. Et donc ma question, vous avez parlé de WebKnees qui arrive à faire du business. Donc ma question est-ce que si vous étiez vous et vous décidez de revenir, vous étiez on va dire expert dans ce domaine, quel est vraiment le créneau que vous allez choisir? Comment vous allez travailler dans ce climat et dans l'état actuel des choses en Algérie? Quelle est l'approche que vous allez adopter? Peut-être juste pour les deux premières questions, le rôle pour les l'impact pour les opérateurs et puis l'impact pour l'éducation plus largement. Les opérateurs télécoms en fait font face à une absurdité, une contradiction dans ce monde-là. C'est eux qui construisent la plomberie et c'est eux qui en bénéficient le moins. Juste quelques chiffres pour fixer les ordres de grandeur. L'industrie télécom mondiale, c'est à peu près 2 trillions de dollars, donc 2 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tous les chiffres d'affaires des opérateurs dans le monde, 2 trillions de dollars. Tout ça, plus ou moins valorisé, allez, on prend 30% de EBITDA, donc ça fait... valorisé à 4, 5, allez, peut-être 10 trillions. D'accord ? Ils investissent tous les ans quelque chose comme 400 milliards de dollars sur les réseaux. C'est un montant phénoménal. 400 milliards, c'est deux fois le PIB d'Algérie quand il était au plus haut. À côté de ça, vous avez quelques entreprises, Facebook, Netflix, etc., qui font tout et en tout. Sur les services digitaux, j'enlève la vente de iPhone, quelque chose comme 300 milliards, 400 milliards de dollars. Donc il y a des gens qui mettent 350 milliards de dollars sur un réseau, utilisé par des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel équivalent à peine au montant d'investissement, qui sont valorisés à des valeurs monstrueuses. Apple vient de dépasser les 800 milliards cette semaine, bien avant les sociétés pétrolières et tout ce qu'on imagine. Donc vous voyez bien l'absurdité. Une industrie qui génère 2 trillions de dollars, qui injecte 300-400 milliards de dollars dans des réseaux utilisés par des entreprises qui en tirent un bénéfice très faible, 400 milliards, et qui sont valorisés à des trillions de dollars. Donc les opérateurs payent quelque chose que dont les autres bénéficient. C'est ça l'absurdité de l'industrie. Et du coup, en fait, la vraie question fondamentale pour les opérateurs, pour moi, elle est à deux ordres. Après, je vais revenir sur l'Algérie. Un, c'est comment je prends acte et je joue dans cette chaîne de valeur pour pas que je sois uniquement celui qui paye pour la connectivité. Donc il y a les objets connectés, etc. Donc les questions de modèle économique. Et deux, c'est comment je me transforme pour devenir plus efficace, c'est plus possible de faire tourner un opérateur qui a 1 milliard de chiffre d'affaires avec 5 000 employés. Je ne vise personne avec ça. Même si c'est la question, ce n'est pas les employés, c'est surtout l'efficacité. Donc il y a un enjeu de transformation interne et un enjeu de casser cette absurdité où les opérateurs payent pour un réseau utilisé pour être valorisé par d'autres. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est que la valorisation de ces entreprises, elle est détenue par une poignée de personnes basées aux États-Unis. Donc ça, c'est pour les opérateurs. L'autre chose importante, je pense, pour les opérateurs, notamment dans un pays comme l'Algérie, pour moi, je pense que Algérie Télécom est une pièce maîtresse de cette, dans les 5 axes dont on a parlé, on n'en met pas les choses, mais c'est une pièce maîtresse de cette transformation. Algérie Télécom, c'est elle qui tire les réseaux, c'est elle qui a des points de contact avec les clients. Ça devrait être un outil d'implémentation de cette stratégie TIC. C'est notre outil de base pour ça. Et ça suppose qu'Algérie Télécom se saisisse en fait de son rôle pleinement dans cette révolution digitale. Qu'elle, non pas seulement en construisant l'infrastructure, mais on le voit partout ailleurs, les opérateurs télécoms qui ont fait leur mue deviennent en fait des locomotives qui drainent d'autres sociétés, parce que ce sont des donneurs d'ordre pour d'autres sociétés. Et donc pour moi, Algérie Télécom est une pièce maîtresse en fait dans cette transformation. La question n'est pas une question de réorganisation,
vous voyez dans un opérateur télécom, les coûts salariaux, notamment en Algérie, des pays où les coûts salariaux sont faibles, c'est pas ça qui coûte le plus. Il ne faut pas prendre ça comme une question de transformer Algérie Télécom, c'est virer du monde. Je ne pense pas que ce soit le bon angle d'attaque, c'est pas le sujet. Algérie Télécom, c'est comment je la rends plus efficace, comment je peux jouer un rôle plus important dans ces services digitaux, et aussi surtout comment je construis cette infrastructure efficace. Et enfin, on ne va pas s'étaler sur ça, vous connaissez mieux que moi le sujet, les recettes sont connues. Algérie Télécom, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas le seul opérateur qui devrait se transformer. Il y a des codes partout. Même si on dit toujours que l'Algérie est spéciale, oui, d'accord, l'Algérie est spéciale, mais comme l'Inde, comme le Pakistan, comme la Malaisie, comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Brésil, chaque pays est unique, il faut qu'on arrête cet algérocentrisme. Les recettes sont connues, il faut juste le faire. C'est aussi simple que ça, en fait. Et pour votre question sur l'éducation, je ne veux pas tomber dans des lieux communs, mais les choses sont connues. Comme on disait, il faut qu'on définisse notre jeu dans le monde dans 3 ans sur les tendances qu'on voyait. L'éducation, pareil, c'est ce qu'on appelle le workforce planning, donc c'est de quoi, quelles compétences j'ai besoin à terme. Monsieur est data scientist, on sait qu'on en aura besoin. Où sont formés les data scientists de l'Algérie? On sait que la data, c'est le pétrole de demain. Où est-ce qu'on peut trouver les gens qui s'occupent de la data? Légal, enfin, les sujets légaux, les sujets commerciaux, les sujets techniques, où sont formés? Il y a cet aspect-là, et l'autre aspect que je voulais souligner sur la question de formation, c'est qu'on voit aussi que le numérique aussi bouscule le mode de formation. Aujourd'hui, on a un monde établi sur un certain nombre de diplômes, exactement, il y a les MOOC, mais même des écoles différentes. Il y a l'école 42 que vous connaissez qui bouscule complètement ce modèle de formation. Et je pense en fait que ça va nous faire poser des questions sur comment notre système éducatif est organisé. Mais avant ça, je pense que la question du workforce planning, c'est les compétences de demain, où est-ce qu'elles se construisent, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse à tout. Je prends le sujet de data. Je nous mets au défi de dire qu'en Algérie, on a des cycles, des filières de formation qui permettent d'avoir ce qu'il faut. Et on sait que c'est ça l'enjeu principal. Très bien. D'autres questions? Prends d'autres questions? Oui. Je sais pas si le câble est assez long. C'est bon, il y a le... J'avais la question, mais je peux pas éviter de compléter ce que vous venez d'aborder sur les compétences. J'avais parlé dans ces deux minutes tout à l'heure. Je pense que l'innovation ne peut venir que de cette... C'est bon là? Merci, non, je vais me crisser. Pas trop philosophique. Si vous donnez le vôtre, s'il vous plaît. Juste sur la partie compétences. Je pense que c'est très important de développer ces compétences. C'est aussi important de pouvoir les capter et les retenir. Et on a parlé de transformation digitale. Je pense qu'il y a un effort qu'on peut faire tout de suite, autant qu'entreprise, mais aussi autant qu'administration. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour qu'on arrive à acquérir de plus en plus de talents. Parce que c'est ceux-là qui vont encore une fois nous ramener cette capacité d'innover. C'est ceux-là dont on a besoin pour qu'ils nous contaminent. C'est certainement pas des managers de ma génération qui vont avoir la capacité, j'allais dire, de driver des choses disruptives. Ça doit venir de ces millennials. Et aujourd'hui, un des soucis majeurs que nous avons dans le marché de l'emploi, chez nous, du moins c'est mon analyse, c'est que on reste sur non seulement des organisations, mais des systèmes de motivation, des espaces de travail, des places de travail qui sont très traditionnels et qui ne sont pas tout le temps alignés par rapport aux attentes de cette nouvelle génération qui arrive dans le monde du travail. Quel que soit le niveau de compétence qu'elle a, c'est une génération qui a des attentes différentes, qui s'attend à avoir une flexibilité dans le lieu du travail, qui s'attend à avoir plus d'équipements mobiles. Je ne suis pas obligé d'être dans le réseau fixe de l'entreprise pour être productif. Je dois pouvoir l'être n'importe où. Donc je pense qu'un des chantiers que nous pouvons entamer, sans changer déjà le business model, sans changer quoi que ce soit, c'est de voir comment on peut capter de plus en plus ces talents, ces millennials, pour qu'ils soient le moteur de la transformation. Je m'arrête là, juste, je voulais rajouter un complément. Merci. Au-delà de développer des compétences, il faut développer les moyens et les capacités de les capter et de les retenir. Et ça va être un combat. Ma question maintenant rejoint ce dont... Ah. Parce que j'avais une question. Okay. D'accord. Vous avez commencé votre exposé, M. Toumé, en disant que la transformation digitale, c'est en partie dire aussi que ce n'est pas juste une affaire d'informaticien ou de technicien, et que c'est beaucoup plus profond que ça. Et vous avez mentionné l'attente qui est prévue ou les mutations qui sont prévues au niveau des entreprises.
qu'en est-il pour l'écosystème des TIC? Qu'en est-il pour l'industrie des TIC qui jusqu'ici était sollicitée pour régler justement des problèmes et des questions techniques et technologiques et pas des problèmes de business? Comment vous voyez l'évolution de cette industrie des TIC, ne serait-ce que sur les marchés ou les pays dans lesquels vous avez observé une certaine limitation? Parfait. On prend les autres questions. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation et pour votre approche très intéressante. Je me présente Youssef Bouchri, directeur des solutions techniques dans une multinationale. Parlons de la transformation digitale, on est obligé de parler de trois enjeux principaux qui sont premièrement, parce que ce sont des données, on est obligé de transporter ces données entre les différentes entités, donc on a besoin d'un réseau adéquat. Le deuxième enjeu, c'est on parle de big data, donc on a besoin de stocker ces données. Ou troisièmement, on est obligé de parler de la sécurité de ces données parce que ces données appartiennent à des personnes ou à des sociétés. Là, je vous rejoins à dire que nous avons deux Algéries, que je qualifie moi, la première Algérie, c'est une Algérie innovante, et la deuxième, c'est beaucoup plus résistante à l'innovation. Et là, nous savons tous que ces trois enjeux de l'économie numérique sont nos problèmes principaux en Algérie. Ça veut dire que nous n'avons pas un réseau adéquat. Deuxièmement, on n'a pas des data centers pour stocker nos données. Troisièmement, on a moins des enjeux pour sécuriser ces données. Là, peut-être on va aller dans l'approche cloud que je ne qualifie pas parce que vous dites déjà si la souveraineté nationale, c'est des données nationales, des personnes. On ne peut pas les donner parce qu'il faut poser une question. Qui gère ces données? Qui stocke ces données, qui manipule ces données, il va les utiliser pourquoi, ainsi de suite. Là, je vais aller à la question directement. Moi, je cherche toujours les solutions. Là, on est d'accord que le problème n'est pas un problème technique, mais un problème de modèle d'adoption de l'économie numérique en Algérie. Là, ma question, c'est votre expérience, parce que je démarre toujours qu'est-ce qu'elle dit l'expérience et qu'est-ce qu'elle dit la science dans telle ou telle chose. Selon votre expérience, quel est le modèle le plus adéquat à l'Algérie pour l'adopter, pour sortir de ce tunnel? Pour les données ou pour le modèle de l'économie numérique en Algérie, sachant qu'on a des enjeux qui sont nos problèmes. Le réseau, le data center et la sécurité des données. Je comprends. Je vais commencer d'abord par votre question. En fait, encore une fois, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je dis jusque-là, ce ne sont que des observations personnelles à prendre pour ce qu'elles valent. L'industrie des TIC, enfin, après, je ne sais pas comment on l'a définie, mais je mets dans ça les opérateurs, les acteurs, les intégrateurs comme Capgemini, etc. Je mets dans ça aussi les fournisseurs de services numériques comme les Netflix, les Amazon, même si on peut discuter est-ce que c'est des TIC, est-ce que c'est des distributeurs. Si on prend l'ensemble de cet écosystème, je pense que c'est un système qui n'est pas... C'est très intéressant d'observer cet écosystème parce que non seulement il chamboule le reste, mais même entre eux, c'est pas simple. Les opérateurs télécoms sont en train de s'arranger par Skype, par Viber et par WhatsApp. Les WhatsApp et les Viber se font manger eux aussi par l'émergence des assistants personnels. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais plus lancer une application, je vais plutôt demander à Siri de lancer une application, ou à Alexa, ou que sais-je encore. Donc en fait, à l'intérieur de cette industrie, je pense que ça bouillonne tout le temps. Et au-delà de l'impact sur le reste de l'industrie. Les enjeux clés vus de l'intérieur pour cette industrie, pour moi, sont, je pense, ils en ont deux ou trois. Le premier, en fait, on ne peut pas, je suis convaincu, dans cette industrie, on ne peut pas définir quel est le pari que je dois faire à 3 ans. On ne sait pas, en fait. Beaucoup de gens nous disent, je ne sais pas ce que je vais vendre, je ne sais pas comment je vais le vendre. Par contre, il est critique de savoir quels sont... Je ne sais pas quel est le bon terme en français, mais les capabilities, ce n'est pas juste les compétences, mais les capabilities, c'est-à-dire les atouts, ce que j'ai de plus profond en moi,
qui est vraiment unique à moi et qui permet de survivre. L'exemple que vous citiez tout à l'heure sur Fuji est extraordinaire, c'est exactement ça. Leur capacité, c'est les compétences de cette chimie qui leur a permis de jouer dans une industrie et dans une autre. Donc en fait, c'est encore plus fondamental dans cette industrie qui vit dans l'incertitude de savoir quelles sont les capabilities. Et la deuxième chose, ça c'était mes clients chez Google qui m'ont appris ça, ils disent le modèle économique, on ne se pose pas trop de questions, quand on fait quelque chose de pertinent, l'argent vient. Du moment où il y a le paiement, bien sûr, disponible. Et du coup, en fait, les deux questions, les deux enjeux, c'est un, être toujours très clair sur quelles sont mes compétences que je ne veux pas laisser filer. Donc chez Apple, c'est le design, c'est le taille, la capacité à mettre des produits rapidement sur le marché, etc. Chez les opérateurs, c'est le réseau. Et la deuxième chose, c'est comment je peux... l'histoire que je raconte à un client qui est très pertinente. C'est pour ça que la page qu'on voyait sur les tendances clients sont vitales. Ils ne réfléchissent plus en stratégie certaine d'ailleurs. Enfin, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais jusque-là, en tant que consultant stratégie, on faisait toujours les cadres d'analyse qu'on apprend dans les écoles, etc. Tout ça, en fait, explose complètement. Il faut planifier dans l'incertain. Et planifier dans l'incertain, c'est de savoir que je ne sais pas ce que ça va être dans 3 ans, mais je reviens sur les fondamentaux qui sont mes compétences et qu'est-ce que je raconte de pertinent client. C'est juste mon éclairage. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est mon éclairage. Et pour la question de monsieur, pour le modèle pour l'Algérie, je n'ai pas de réponse pour ça, hein, à part les... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut trouver une réponse, ou ma conviction c'est plutôt de dire quels sont les éléments fondamentaux à avoir, les éléments d'éducation, les 5 axes dont on a parlé tout à l'heure, et si j'avais à décider sur ça, c'est sur 5 axes-là que je travaillerais, c'est pas... J'essaierai pas de dire quelle est la meilleure chose à faire ou à pas faire, c'est comme pour les enfants, je vais pas leur dire je veux que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois je sais pas, je veux juste les éduquer, et éduquer pour digital c'est les 5 dimensions dont on avait parlé tout à l'heure. Je crois que j'avais pas répondu à la question de monsieur tout à l'heure, j'ai pas oublié, c'était sur les créneaux en Algérie, enfin, honnêtement je ne sais pas, moi ce que je vois autour de moi en Algérie c'est que partout c'est des créneaux ouverts, la question n'est pas sur quel créneau on peut aller ou pas. La question, c'est plutôt ce que chacun... Comment dire, ça revient toujours autour de la même chose. C'est de mettre en place les fondamentaux, les 5 fondamentaux dont on avait parlé tout à l'heure, le paiement, les réseaux, etc., la réglementation des données, enfin les 5 choses dont on a parlé. Et après, je suis sûr, il faut laisser le marché aller vers les opportunités. Il n'y a que des opportunités partout. Si moi, personnellement, je devrais investir en Algérie, je devais faire quelque chose... Moi, je mettrais sur un fonds d'investissement. Je pense qu'un fonds de VC, l'Algérie a tous les astres alignés pour faire un super marché pour un venture capital. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on regarde. Parfait. On va prendre une dernière question. C'est pas une question, c'est plus compléter parce qu'en fait, beaucoup vous posent des questions au sujet de l'Algérie et pourquoi ça a tendance à ne pas marcher chez nous. En fait, je crois que tout le monde se dit. On prend l'approche algérienne du fait qu'on ne puisse pas maîtriser les technologies, Internet, tout ce qui s'y passe dans ce cyberespace. Mais en réalité, aujourd'hui, le problème, et vous avez, de mon point de vue, pas suffisamment axé sur l'aspect juridique. La stratégie juridique aujourd'hui, dans un développement dans le domaine de la révolution digitale, est indispensable. En fait, c'est pas les technologies qu'il faut maîtriser. Je crois que dans ce pays, il y a beaucoup d'experts, contrairement à ce qu'a dit le jeune que j'ai entendu. Il y a énormément d'experts dans le domaine. Mais c'est surtout comment réguler et contrôler les activités. Parce qu'en fait, vous avez parlé des 5 axes, mais ces axes-là, si vous ne mettez pas de procédure, si vous ne mettez pas en place... des systèmes qui permettent non pas un contrôle absolu. Aujourd'hui, l'État, avec la perte de la souveraineté, ne peut plus contrôler comme il voulait avant. Aujourd'hui, même si les États régulent, il n'en demeure pas moins que les utilisateurs, comme les opérateurs, comme beaucoup d'exploitants de ces réseaux, ont leur mot à dire. Ils créent des règles et usages. Aujourd'hui, en tant que juriste, on parle de quelque chose qui est nouveau, c'est la Lex Electronica. C'était des choses qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont nouvelles et dont on doit systématiquement mesurer l'importance dans toutes ces révolutions digitales. Et c'est ça la véritable révolution. Merci. C'est juste.
très bien. Donc, je pense que je vais demander de conclure. Là, il est presque midi. Je pense que c'était passionnant et je suis sûr qu'il y a encore des questions et des commentaires. Donc, si tu veux bien conclure. Je ne sais pas quoi conclure, honnêtement, parce que on pose souvent ce genre de questions. Alors, qu'est-ce que vous en tirez? C'est quoi les grandes leçons, etc. Et en fait, le digital, c'est un seau d'eau fraîche qu'on se prend dans le visage et on est juste assommé par tout ce qui s'y passe. Et on peut perdre du temps à essayer de rationaliser, de théoriser, d'expliquer tout ce qu'on veut. Mais entre-temps, les choses avancent à une vitesse juste extraordinaire. Je parlais tout à l'heure de la question est-ce que le contenu, il faut commencer par le contenu, par l'infrastructure. La grande leçon que je tire de tous les travaux qu'on a fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la fatigue digitale, on fait plein de choses, on planifie, on est déçu. C'est encore plus que tout autre domaine, c'est un sujet où l'action est reine, l'incertitude est reine, il faut l'accepter, et c'est comme ça. Et c'est aussi, je pense, une opportunité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le miroir qui transforme nos problèmes en solutions. Le chômage de jeunes, c'est une solution. Le manque d'infrastructures, c'est une solution. Le fait qu'on n'ait pas de technologie, c'est une solution. Mais en fait, le vrai sujet, c'est deux choses. Un, il faut juste, encore moins que les autres industries, il faut juste libérer les potentiels. C'est pas un endroit où l'État doit investir. Bien sûr, il y a l'infrastructure à faire pour Algérie Télécom. Mais ce n'est pas l'investissement pour créer des filières industrielles. Il faut juste libérer le potentiel. Il y a tellement de gens qui veulent juste entreprendre. Il faut juste les laisser pouvoir faire le paiement, l'infrastructure, etc. Et la deuxième chose, c'est, je pense, au-delà des TIC eux-mêmes, j'espère qu'on a commencé par là, il faut en réaliser les mutations profondes que cela amène en niveau économique, social, philosophique, politique, comme on en parlait tout à l'heure. Il faudrait s'en saisir et réfléchir, bien se poser la question pour toute filière, au développement de filière. Est-ce qu'on est en train de développer une filière avec les schémas du passé? On a parlé de l'automobile, on a parlé de tourisme. Ou est-ce qu'on est en train de développer des filières qui sont adaptées à ce monde dans 3 ans? Et je reprends encore une fois l'exemple des filières automobiles qui, je pense, est un sujet d'actualité pour l'Algérie. Donc le digital, c'est vraiment le miroir qui transforme nos problèmes en solutions. Et c'est comme ça que je le vois. Parfait. Merci à tous. Je sais que ça a duré, comment dire quoi, 3 heures. C'est un peu plus de temps.
Je suis un
Thank you.
Voilà. C'est une situation.